bienvenue. Ah, ça y est, ça commence déjà à envoyer des crottes de nez. C'est ça. Bonsoir les amis, on est ravis de vous retrouver. Oh, vous êtes flou. Ah bon, bon c'est pas grave. Moi je suis net. Ah, elle ouais. Bah moi je suis net. Mais on t'es pas net, ah, Baptiste. Ah oui, nous on est pas net, hein. Ouais, attendez, je remets. Je remets, voilà. Attention. Normalement. On va parler. Ah, c'est un peu mieux, c'est hein. Même mieux. Qu'est-ce qu'on est tout en plus bon. Salut les chacals. Je suis toujours bien accompagné. Il y a Clem avec moi. Bonsoir Clem. Accompagné, oui, bien, je sais pas. Mais bonsoir à tous. Comment ça va, mon cher Clem? Eh bien, on dirait que j'ai beaucoup de latence, mais tout va bien. Écoute, ah, bon. On a tous la fibre maintenant, donc tout peut aller que de mieux en mieux. Eh bien oui, bon, on va voir s'il y a besoin de se reconnecter, on va se reconnecter. Faut réapprivoiser le réseau, on commence à avoir l'habitude. Je suis aussi accompagné de Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Chris. Ça va bien? Très bien, merci. Eh bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien Damien? Fatigué. Fatigué, petite ouais. Forme, fatigué. Petite forme, bon, là, on est là. Pour se détendre. Je promets, je suis là jusqu'à la fin. Et merci, merci. 1024 qui devient chacal. Merci du follow. Et bien sûr, je dis aussi bonsoir au chat. Bonsoir. Et bonsoir aussi à Razor Raven. Bonsoir à Archibald. Bonsoir à Tienou. Bonsoir à General Lee. Bonsoir à Diaz Benji. Bonsoir à John McLean. Bonsoir. Ça y est, j'ai fait à peu près le tour, je crois. Si j'ai oublié votre nom, criez dans le chat. C'est le moment ou jamais. Et je vais vous parler un petit peu du programme de ce soir, les amis, au programme des réjouissances. Nous allons parler fil rouge dans un petit instant. Il va y avoir la chasse au chacal, il va y avoir Damien. Oui. Tu prévois quoi ce soir? Deux choses. Ah wow. un Game of Thrones. Ouais. Donc voilà, des titres de presse où oui. J'enlève des mots et c'est à vous de retrouver les mots manquants. Ouais. Et également un petit bac, voilà. Le retour du petit bac. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé petit bac. Eh bien, c'est parfait. Mathieu, tu prévois quoi, toi? Test à la con. Toujours pareil. As usual, comme de. Voilà, comme je rappelle que vous pouvez vous connecter sur notre Discord si vous voulez venir jouer avec nous. Le Discord est ouvert. Et puis Clément, pour toi ce soir au programme. Un petit geek quoi, ce sera plutôt bien. Eh ben, on va faire ça. On va tout à nouveau à avoir des super phrases. C'est vrai qu'il y a un petit peu de latence, on va tâcher de régler ça, les amis. Voilà donc pour le programme, et puis bien sûr aussi le bistrot des Chacos qui sera tout à l'heure. Pour vous, je disais, on va parler fil rouge. Oui. Allez, c'est parti. Premier indice. Du fil rouge, nouveau fil rouge. Je rappelle qu'on vous donne des indices au fur et à mesure de l'émission. En fin d'émission, vous utilisez vos points de chaîne pour faire vos propositions pendant une minute. Et puis après, il y a des tirages au sort pour savoir, un, qui gagne parmi les bonnes réponses, et deux, ce que la personne va gagner. Alors, justement, pour mes cadeaux qui sont gagnés, donc, il a fallu que j'en trouve encore un. Et donc, un superbe ensemble de une tasse. Il est en train de vider sa maison. c'est ça. Un superbe ensemble de. Un service de une tasse. Voilà. Waouh! Pour. Même pas la soucoupe, c'est de la carotte. Non, hein. La soucoupe, ce sera le cadeau d'après. Si on la retrouve. C'est con. Ah non? Faut gagner deux fois de soucoupe. Voilà, donc voilà, une tasse. Non, alors, vidéo, ça n'a pas été donné encore. Tant qu'on y est, Mathieu, toi, le cadeau que tu offres, lequel? Eh ben, c'est le même depuis. Moult semaines. Hashtag où est la cam? Alors, la cam arrive. Alors, attendez, voyons. La cam, elle est là. Elle arrive, elle est là. Voilà. Hashtag influence. Ma main n'est pas assez grosse, mais on s'en fout. Je peux zoomer dessus si tu veux. Allez, zoom sur Mathieu, zoom, ouais. Voilà. C'est une. Non, mais oui. Pas sur ma tête. Voilà. Voilà, c'est une big tasse Game of Thrones Stark avec un gros loup. Waouh, elle est belle. Et c'est une grosse tasse. C'est une grosse tasse. C'est une grosse tasse. Du côté de Damien. Coucou. Voilà, il est là. Alors, tu fais gagner quoi, toi, plus Damien? Plus t'es prêt, plus t'es moche. Oh, ta gueule. alors, moi, ça devient un peu obsolète. C'était les petits bonnets. Des petits bonnets de tub. Hein, oui, effectivement. Le halo de 10. Oui. Alors, je me dis qu'il commence à faire un peu beau. C'est le printemps aujourd'hui. Oui. Donc, je pense que c'est la dernière fois que je l'ai fait gagner. Et j'essaierai de trouver d'autres cadeaux un peu plus dans le thème pour ouais. Dans deux semaines. Généralis, ça friche chez toi? Comment ça se fait-il? Non, il n'y a pas de frise. Oui, bah, c'est chez Généralis. C'est pas mais au pire, les bonnets à gland, c'est à toujours froid.
Ah. Non, mais tu gardes, bah, c'est quoi, garde-les. Non. Alors Clem, du coup, qui s'est reconnecté entre temps, est-ce que c'est mieux? Bah oui, parce qu'on ne sait jamais. Ah, ah ça a l'air, ça a l'air bon. On va, attendre que ça se réchauffe un petit peu. Ouais. Et alors, du coup, tu fais gagner mal, quoi, toi, Clem, comme cadeau? Et toujours ce magnifique porte-clé qui peut se mettre au cou et qui est extensible. Bien sûr, voilà. Ça sera les cadeaux qui seront tirés au sort tout à l'heure. À qui j'ai pas dit bonsoir, tiens, parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le chat. Indy124, du coup, qui nous a rejoint. Andy Manon, bonsoir à toi. Premier message, bienvenue. Non, on les a payés, Indy. Hein. Willow aussi qui est là, bonsoir. Beaucoup de frises. Il y a des frises chez tout le monde. Comment ça se passe? C'est des mystères. Ouais, je pense que là, du coup, c'est. Alors, non. Ah, attendez. C'est tombé. Attends, va voir si t'as pas. Je vérifie. Studio, branche le. La je fibre. Vérifie si le réseau fonctionne bien, ce qui est possible. Alors moi, clairement, mon réseau, il est bon. Avec General Lia, les bâtards. Mon réseau, il est bon là sur le. Ici, on est bon aussi. Donc, eh bien, écoutez, on va espérer que c'était juste passager. Sinon, n'hésitez pas à hurler dans le chat si ça refrise et on fera le nécessaire. Je vais regarder de mon côté. Jamais. Voilà, bien entendu, on va surveiller ça, les amis. Voilà. Et bonsoir aussi Emma qui nous rejoint dans le chat. Macarena. Il y a Indy 124 qui dit « Lol, Damien, tu n'aurais pas volé ces fameux lots au travail ». Alors non, non, pas du tout. Il se trouve que j'en bois, des choses comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Mais j'en ai bu. Oui. Et j'en ai récupéré par mal. Regardez comme il est innocent. Non, mais complètement. Non. C'est donc une série limitée. Non, mais moi qui ai compris. Voilà, Mathieu, il m'a compris. Innocent. Ah, c'est beau. Oui. Ah, j'ai plus de voix. C'est beau ce que vous... Non mais c'est pareil, tout à l'heure quelqu'un a dit ça frise, j'ai dit bah oui parce que vous êtes des mystères, mais bon bref, on s'en fout. C'était nul ça. Mais oui, mais en fait les blagues de merde j'aime bien les répéter, tu sais, le running oui, back. Oui, on sait jamais, ouais. Bonsoir aussi à Green 3D, hey, y a du monde ce soir les amis, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait zézère. Ah ouais. Andy Manon également. Oui, que j'ai salué. Je fermerai ma gueule. Faut quoi. Depuis une semaine je n'écoute plus Chris, faut savoir que j'ai demandé à Chris hier quelle chronique je vais faire ce soir. Voilà, j'avais totalement oublié ce que je faisais. C'est véritable. Donc je n'écoute pas Chris, tout simplement. Les amis, je vais vous montrer le premier indice pour le fil rouge. Le voici. Voilà, démerdez-vous avec ça. Mais ça commence fort. Heureusement que tu as écrit dessus, parce que pour les daltoniens, c'est pratique. Bah, c'est pour ça que. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite cette image. Vous voyez, j'ai mis la source. Ah, il y a quand même une source. Voilà, je me moi, suis j'aurais pu la faire avec moi-même. Paint, cette image, vraiment. C'est vrai. Source Paint. Paint 3D. Exactement. Donc, voilà, débrouillez-vous avec ça. Pensez du vert. Voilà, on n'en dit pas plus pour le moment. Mais vert est écrit en blanc? Donc, est-ce que c'est un blanc vert? Est-ce que c'est un blanc vert? Est-ce que c'est un vert blanc? Ça devient trop. Est-ce que c'est à l'envers? Moi, là, c'est. Alors, oh là là. Ça devient beaucoup trop philosophique. Les amis. Non, j'aime pas ma gueule. On y va pour la chasse au chacal. Allez, go. Ouais, ça, c'est le meilleur moment. Et c'est vrai que j'avoue que ça frise un peu, moi aussi. Genre, mais des petites coupures d'un quart de seconde. Ah ouais? C'est bizarre parce que moi, il me dit. Alors, j'ai peut-être pas regardé assez longtemps, mais ouais. Il semble pas que j'ai des paquets perdus. On va continuer de surveiller, les amis. Comme je dis, n'hésitez pas dans le chat. C'est Green 3D qui dit, mais c'est moi. Tout à fait. C'est toi. Ce serait drôle. Vert, Green. Ah oui, oh là là. On n'est pas au point, là. Vive à la fin du mois de mars. J'avais prévenu, j'ai dit, je suis fatigué, je vais pas être à 100% oui, de mes capacités. Est-ce que c'est contagieux? Bah, j'ai l'impression que vous avez transmis ça. Ça va être dur, hein, un vert blanc. Allez, j'affiche la grille de la chasse au chacal. Hop. Et on va commencer encore avec Damien, mais c'est toujours Damien qui commence. C'est normal, les meilleurs d'abord. Ouais, alors combien, Damien? Non, pas de dessin aujourd'hui, je m'en fous. Si. Non, numéro 6, justement. Le 6 enfin, pour ah, ça commence Damien. Un dessin, déjà. Clem, tu choisis le numéro combien? 20. Le 20 pour Clem. Tu vois, il commence à faire un truc. Oh, vous êtes chiant. Mathieu. Pas de 16. Pas de dessin chelou, hein. Non. Non, non, on a failli faire une croix chelou la dernière fois. Alors... Non. Vous m'obligez à faire le 10, là. Ouais. Ça. Non, mais en sachant que Damien, c'est lui, en disant son chiffre, qui décide la suite. C'est ça. Vu qu'il a commencé. Eh ben, vous savez quoi, je vais prendre le 13. J'en étais sûr. Et oui. Là, du coup, vous êtes emmerdé. Voilà. Oui. Clem. La douzité. Ah, la douzité pour Clem.
Voilà, on arrive à Mathieu. Pas 14, hein. La 14ité. Il y a Andy Manon qui demande « Quelqu'un veut-il bien m'expliquer le concept de la grille ?» Ah, oui, alors, expliquons, avant de poursuivre avec le tirage des numéros. La chasse au chacal, il y a effectivement une grille de 25 cases derrière lesquelles il y a des items. Certains qui font gagner des points, d'autres qui font en perdre. Le but, bah, c'est d'essayer d'avoir le plus de points possible, puisque celui qui sera en haut du classement avec les points, il gagnera 1 euro de la cagnotte globale. Voilà. Et ceux qui sont c'est en bas, c'est comme ça qu'on se fait payer en fait par les chacals. Voilà. En gros, le deuxième il met rien, il perd rien. Enfin, il perd rien, il gagne rien. Le troisième il met 1 euro. Le quatrième il met 2 euros dans la cagnotte. À la fin de la saison, la cagnotte globale permet de financer un cadeau. Généralement, c'est une Wonder Box. Ouais. C'est plus intéressant que les cadeaux comme ça là. Hein. Ouais. Et il y a depuis cette année, il y a aussi deux cases spéciales, les Switch. Si on tombe dessus, eh ben on échange nos points avec une personne qui est tirée au j'adore hasard. J'adore cette nouvelle règle. Voilà. Donc si on tombe dessus, ah, vous... oui, bah, écoute. C'était mon tour. Ouais, je prends la 8IT. Damien, dernier tour. Je crois que j'ai jamais aussi bien expliqué les règles que ce soir. Non, c'était vachement bien. Le 24. Depuis le temps. 24 pour Damien. Clem. Le 2. Mais pourquoi Mathieu, il est dégoûté. Mathieu. La 22. La 22. Est-ce que je fais mon connard et je prends une autre case? S'il te plaît, ça va juste le faire. Hey, en vrai, regardez bien. J'aime bien la symétrie. Imaginez si Damien avait pas pris la 13 mais la 18. Là, on aurait eu un joli dessin. Oui, elle va tous. Allez, on va pouvoir révéler du coup les cases. Oh bah Chris, tu vas être vite savoir où tu vas être. Ah, j'avoue, ouais, je suis dans les premiers. Il est bloqué sur les bonnets que je offre. Alors, tu peux réchauffer ton micro. Ouais, je mets un petit bonnet au bout là. Voilà. Bah oui, bah tiens. Ça, un petit bonnet toi aussi. Pour le micro. Attends, j'ai. Oh, bah vas-y, allez, je dévoile les cases. Je vais augmenter après aussi les retours parce que Clem, je l'entends pas très bien. Ah, mais je comprends. Ah, bah c'est trop large. T'as pas mis ton retour? Bah oui, j'ai pas pris mes écouteurs, dis donc, pour entendre. Alors, bon, c'est pas grave, je les mettrai après. Allez, j'ouvre la case 2. C'est la case pour Clem qui ouvre le bal avec un piège. Allez, moins 5. Moins 5 voilà. Pour Clem d'entrée de jeu. Ça faisait longtemps. 4 pour ma pomme. C'est. Ah, déjà, Switch. Dès le début. Voilà. De quoi rebattre les cartes. Pardon. Oui. Case 6 pour Damien. Tête de mortel. C'est un petit bol de croquettes. Bah, je m'en fous d'avoir la tête de mort parce que ça peut switcher. Tranquille. Miam. C'est vrai. Les petites crooks. Pour ma part, la case 8, un popo. Ouais, voilà, écoute, donc c'est moins pas grave, un. Tu vas changer de toute façon. Mmh. Donc, on va voir, on va voir. Parce que je rappelle que le switch, ça peut aussi faire que je change avec moi-même. C'est ça. Donc, oh. Et un caca pour ma gueule, voilà. Eh bah, t'auras bien eu un tirage de merde. Complètement. Complètement. Mais il est pas pire que Clem pour l'instant. Avec alors. Tu peux l'échanger, hein, encore. Oui. Clem est en case 12, j'ouvre. Oh, oh mais voilà. C'est toujours Clem. C'est plutôt équilibré, finalement. Fait plus 10. Oui. Dommage, c'est pas moins. Alors ensuite, Damien en case numéro 13. Oh, et la tête de Clem, j'ai 5 Clem, points. 5 points pour moi. Ça monte du boudin, là. Ouais, voilà. 14 pour Mathieu. Yeah. C'est un... Oh, oh là là, oh, la pression. L'enfer à la fin. Alors, case 16 pour Mathieu encore, vide. Oh, okay. Bon, ça, c'est il nul. Fout, il va switcher. Allez. Voilà. Case 20 pour Clem. Un caca. Il faut pas abuser non plus. Voilà. Une fois que je suis premier. Ah, bah non, enfin, ah je voulais voir. Tiens, je veux voir ce qu'il y a dans la case 18 du coup si on avait pris la case 18. Si j'ai... Imagine la tête. D'accord. Ah, t'avais un bol dommage, de croquettes. Hein. Ouais, bah, je préfère prendre la tête de Clem finalement. C'est vrai. Oui. Est-ce que Clem, Damien, te prend la tête? C'est ça la question. Ah, bah tout va bien. Pourquoi Archie il veut faire de l'unboxing? Alors, voilà. Oui, alors pardon, oui, Archie. Ouais, un petit mot. Archie, effectivement, on a bien reçu le colis, j'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher à la mairie. Ah! C'est pour ça, donc oui, ne t'inquiète pas, Archie, je n'oublie pas, je passerai à la mairie d'ici quelques jours pour aller chercher le colis. Donc, pas de souci, j'ai hâte d'avoir le colis que tu nous as envoyé. Il n'y a aucun problème et on l'ouvrira bien sûr en live. Case 22 pour Mathieu. Oh, oh là là! Alors ça... Marcel Fenaille. Ouais, on veut bien switcher maintenant. Mais putain, mais pour une fois que je suis. Pardon, j'ai toussé, excusez-moi, je suis toussé dans le micro, j'ai pas eu le temps de le couper. 24 pour Damien, hop. Okay. Un petit bol de croquettes. Voilà. Et vas-y, pour une fois. C'est moins pourri que la semaine, qu'il y a deux semaines. Ah oui. Il y a deux semaines, c'est plutôt vraiment nul. C'est plutôt équilibré. C'est plutôt.
Voilà, il y a du bon et du moins bon. Quoi. Alors, maintenant qu'on a les Switch, du coup, il va falloir qu'on les déroule. On va commencer par le mien, du coup, vu qu'il s'est tombé en premier. Ouais. J'échange mes points. Si ça tombe sur moi, je pète un plomb. Et je vais tirer... Ah, bah, tu dois rechanger derrière. Tu peux, oui, tu peux toujours rechanger. Ou pas. Allez, je vais mettre beaucoup de force dans le tirage de la roue. Allez. Allez, tombe, retombe sur... Je suis dégoûté. Damien, il est à moins de. Ok. Mais, pour une fois que j'étais pas dernier. Ça se trouve, tu vas repasser premier avec moi. Ouais, j'espère. Si ça tombe sur Mathieu. Si j'ai pas envie. Enfin, sur Damien. Alors, comment on lance la roue, Mathieu? Ouais, très fort. Hein. Très ça, c'est fort le switch aussi que tout le monde veut. Eh oui. C'est parti. Oh, ça me fatigue ce jeu là. Ah, moi j'aime bien, mais là je suis dernier, j'aime pas trop. Ça ah, peut non. retomber. Stop, Louis. Non. Non. Bien joué, pas drôle. Bien joué. Bon, donc du coup, je finis là. Donc Chris, finalement, lui, il s'en fout, il a moins deux, mais il finit avec mes points à moi, parce que... Bah oui. Bah donc, j'aurais dû tomber sur la bolle de croquettes sur la 18. Bah oui, voilà. Alors, moins de points. Bah, t'as mal choisi, qu'est-ce que tu peux. T'as perdu ton bonnet à... C'est pas grave. Ah, voilà. Non. Et donc, bah, c'était la chasse au chacal, les amis. Nous allons pouvoir vous donner un deuxième indice pour... où est-ce qu'il est mon jingle? Va que je l'enlève. Deuxième indice pour le fil rouge, il y en a 6 au total. Ok. Comme d'hab. Deuxième indice, le voilà. Ah, d'autres couleurs. Bleu. Oui, il y a du bleu, il y a du blanc, ça, ce sont d'autres couleurs. Il y a une croix. Une croix en plein milieu. Qu'est-ce que ça peut-il bien être? Voilà. Assez réfléchi, les gens. Enfin, continue de réfléchir, mais assez vu l'indice. Et nous allons poursuivre désormais avec. Ah, bah oui, bah, j'ai lancé le jingle. Voilà. Bon bah c'est ça. Game of Trouble. Ouais. Oh. Lancement plutôt efficace. Game of Trouble. Non mais c'est vrai que du coup, avec l'anecdote qu'on racontait, que tu m'as demandé littéralement hier. Oui, bah, le Game of Trouble mémoire quoi. Voilà, Game of... Et donc on a commencé à faire tous les jeux de mots. Là, on commence à faire tous les jeux de mots, voilà. C'est ça. Le avec Game of Trouble, bah écoute. Hein. Voilà, Game of Trouble souris. Voilà, continuez dans le chat. Game of Trouble 2, voilà. Et moi, pendant que tu présentes le jeu, Damien, je vais aller mettre mon retour okay, dans l'oreille. Fais-toi plaisir. Et dans le chat, bah, je lirai le chat après. Vas-y. Pas de souci. Game of Thrones, bah, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça, c'est des titres de presse, généralement un petit peu what the fuck, comme on dit. What the fuck. Et l'idée, j'ai enlevé des mots importants, forcément, pour la compréhension du texte. Et c'est à vous de retrouver quels sont ces mots pour qu'on puisse rigoler tous ensemble juste après. Nous nous esclaffons. Exactement. Sachant que ne me posez pas de questions sur l'histoire. Voilà, j'ai juste les titres de presse, je n'ai pas l'histoire. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez le titre dans Google, je pense que vous trouverez l'article en question. Oui, en général, ça se passe bien. Alors, je m'éloigne de Mathieu parce que j'ai pas envie qu'il triche, évidemment. Il triche jamais. Non. Pas non. Alors, est-ce que ça marche? Si je fais ça. Oui. Oui. Un fugue pendant en et revient en parlant. D'accord. Alors, juste pour répondre à Andy Manon qui dit le fil rouge c'est une énigme à la Fort Boyard avec un mot-clé à trouver. Ce soir, il faut trouver, alors je peux le dire pour pas qu'il y ait de confusion, il faudra trouver un personnage. Oui. Voilà. Et donc, avec les indices qu'on vous donne au fil de l'émission. Donc, alors, revenons-en au Game of Thrones. Un fugue pendant. Déjà, alors, combien d'années? Pendant 2 ans? Non. Est-ce que c'est un chat? Non. Ça pourrait être genre le chat qui... Ça arrive des fois les histoires où le chat, il est perdu pendant 9 ans et puis au bout de 9 ans, il revient à la maison et oh bah il est encore vivant en fait. Donc c'est pas un... Est-ce que c'est un animal qui fugue? Oui. Oui. Un chien du coup? Non. Non. Un cheval? Non. Un perroquet? Un perroquet. Un perroquet qui fugue? Oui, parce qu'il parle. Parce qu'il c'est parle du coup à la fin. De la part de Clem, là. C'est plutôt malin. Ouais. Et revient en ah bah oui en parlant ah chinois. Mais il parle une autre langue. Chinois. Non, pas chinois. Espagnol. Espagnol. Pendant 5 ans. Non. Non. C'est plus, c'est moins. Vous voulez vraiment jouer à ça? Alors, oui, est-ce que c'est plus? C'est moins de 5. Ouais. C'est plus de 3-4. C'est plus de 3. C'est ça, voilà. Ah. Putain, le perroquet, il a fait un voyage linguistique. Ah, c'est ça. Erasmus. Un séjour. Ben, c'est ça. Ok. Bah, eh ben, pourquoi pas. Exactement, pourquoi pas.
Alors vas-y, attends, mets le suivant, après je vais faire juste un réglage. Titre numéro 2. Rennes, sa femme, il s'enfuit avec le Sa femme le trompe. Non, il n'y a pas le avant. Meurt. Non, horrible. sa femme pue. Non. Ah. Non. Sa femme, qu'est-ce qu'elle peut faire, sa femme? S'enfuit avec le ronfle. Non. Ronfle. Non. Non. Avec le voisin. Non. Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas accès au chat, donc s'il y a des trucs dans le chat, je vois pas. Je vais pouvoir regarder le chat. Je finis juste mes petits réglages vas-y, à la con. Vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Non. C'est un truc que 80... Alors, on va prendre tout le monde dans l'ensemble sur la planète, que on va dire 90% des hommes ne peuvent pas faire. Même plus. Ah, accouche. Voilà. Ah. Il s'enfuit avec le gamin, du coup? Non. Non, on l'a déjà dit en plus, je crois. Non, oui, Mathieu avait déjà dit gamin, mais non, c'est pas ça. Non, c'est... Alors, c'est pas le gamin. Ah, avec le placenta. Mais non. Bah si. C'est pour en faire une poêlée après. Ah. Bah oui. Ah, ça me dégoûte. Tiens, je vais monter Tiennou du coup dans le direct. Bonsoir Tiennou. Bonsoir Tiennou. Bonsoir Tiennou. Bon, bah tu parleras quand t'auras envie. Voilà, quand il voudra, bien sûr. Tu es en vocal avec nous, Tiennou. Ok. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Bah. C'est drôle, drôle d'histoire. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Après, ça reine, hein. Les Bretons, c'est pas trop des fois. Allez, et bonsoir à Kétaro aussi que j'avais pas vu. Bonsoir Kétaro. Titre numéro 3. L'adolescence à chaque passage du. À chaque passage du train. Non. Du bus. Non. Du taxi. Non, mais on est sur un moyen de transport. Le bateau, l'avion. Non, du avion, ça marche pas. Avion, non. Passage du coup à passer. Tram. Non. Du métro. Non. C'est pas un moyen de transport, enfin. Skateboard. Alors, John McClane a une idée pour le premier mot. Est-ce qu'il s'agit de d'onanisme? Attends, j'allais voir. Mais... Oui. D'accord. Oui. Tiens, le mot est passé. Ouais. Bon, moi je le mets, hein, je m'en fous. Ouais, j'ai rien à craindre. Et donc, on nous propose RER dans le chat. Non, on est sur un moyen de transport pas public. Enfin, c'est pas un transport en commun. Du transilien, ouais. Ah non. Non, et on est sur un moyen de transport qu'on trouve pas trop en ville. Tracteur? Le tracteur. Du tracteur. Voilà, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ah ouais, mais c'est souvent s'il habite dans une grande ville. Hein. Oui, mais là, c'est une sauf drôle d'activité. Sauf en cas de manif des agriculteurs en plein centre-ville. Là, ça devait y aller à foison. Évidemment. La teubille après, merci. Non, mais il devait habiter en campagne, je pense. Titre numéro 4. Grande-Bretagne. Un récité grâce à des Est-ce qu'il y a Kate Middleton dans l'histoire? Non. Non, pas du tout. C'est ressuscité. C'est horrible. C'est horrible ce que tu viens de dire. Oui. Bref. C'est vrai qu'on attend toujours d'avoir des nouvelles. Un roi ressuscité. Non. C'est un animal? C'est un animal. Un chien, un chat, non. Un perroquet? Non. Un corgi? Non. On est alors, je pense que ça doit se passer dans un zoo. Enfin... Bonsoir à toi, Kit Squala. Ah, mets son premier message dans le chat. Salut, bienvenue. Salut. Un cheval. C'est un animal qu'on trouve pas. Enfin, c'est pas un animal de compagnie, ni un animal de la ferme, quoi. Alors, Tiennou propose un chacal. Non. Un chimpanzé. Non. Ah, on n'est pas loin. Un singe. Ouais, on est sur un gorille. On est sur une sorte. Enfin, une sorte. Sur un macaque. Non. Un lémurien. Non. On en voit aux zoos. Bah, sûrement, oui. Alors, quoi un babouin. Un babouin. Bien joué, Willow. Bravo Willow, un babouin. Grâce à des femelles, des non grâce à des voilà. Grâce à quoi On cherche un verbe. Non on cherche entre les guillemets. Alors non, je vais d'abord dire le dernier. On cherche un groupe de musique. Hein? Beatles? Non. Ah, à une chanson de tel groupe c'est de musique. Ça. Exactement. Alors donc oui, si c'est pas les Beatles, alors les Rolling Stones? Non. C'est un groupe britannique? Alors je sais pas. T'as chanté anglais. D'accord. Non, mais. Alors, on nous propose Queen dans le chat, Willow. Je sais non. pas si c'est un groupe de Grande-Bretagne. Non, mais dès quelque chose. Je crois pas. Adé. Ah, non. Andy Manon qui propose Staying Alive. Mais du coup, c'est pas Abba, c'est les Bee Gees, du coup. Et c'est pas les. Ah, si, les Bee Gees. Oula! Oh la gueule! Si, c'est ça. Attends, il se passe quoi là?
Oula, alors attendez. Allez, je crois que... En fait, j'ai peur que ce soit le serveur. Chris, je pense que c'est le serveur qui a des problèmes. J'ai redémarré le truc. Ah. C'est dommage, on s'ambiance, c'est bien. Ouais. Je sais pas. Par contre, ça ressemblait pas trop à la musique des Bee Gees. Hein. Ouais. Ah non, pas trop, non. Bon, ça va repartir. Il faut quelques secondes là pour que ça se réaffiche. Les Bee Gees Staying Alive. Mais c'est vrai que c'est une solution qui marche si vous voulez faire un massage cardiaque pour savoir à quel rythme il faut faire le massage. Ah, du coup, il redemande les questions. Oui, bah il a réaffiché. Ah, oui, ah, voilà. Ah oui, c'est ça, c'est A, A, A. Voilà. Stay alive. Stay alive. Mais non, mais. C'est bon. Un peu violent après. Tu sais. C'est bon, ça a l'air de refonctionner. Et oui, il faut que je réaffiche le logo en haut. Voilà, c'est ça qui manquait. Donc, Staying Alive. Oui, donc oui, c'est la petite astuce. Vous chantez Staying Alive. Ou alors, attends, il y avait une autre chanson aussi. C'est vrai que Staying Alive, c'est très important. Oui, ça marche pour les humains aussi. Oui, c'est ça. Et la Macarena, voilà. Ah oui. Macarena, c'est le même rythme. C'est Macarena, voilà, vous faites hey, le massage. Hey, Macarena. Ah. Titre numéro 5, elle oblige ses enfants à fumer des pétards pour se payer. Elle oblige ses enfants à se prostituer. Ses enfants, oui. Non, à fumer des pétards, des cigarettes. À sucer des bites. Non mais oh. Hey, c'est dangereux ça, fais gaffe. Je ne suis pas responsable de ce qu'il a dit. Non, disclaimer, non, ce n'était pas... voilà. C'est pas les bonnes réponses. Non. Bah, j'espère bien. Elle oblige les enfants à manger. Ah, pas loin. À boire. Non, 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 mais on est sur le... Mâchouiller. On est sur manger. Mais ça tient avec les trois mots, en fait. Qu'est-ce quoi là qui dit Mathieu en trou libre. En trou libre, oui, c'est un peu ça. Ouais. On est sur le principe de... on est autour de la nourriture et de manger. De pas manger. À ingérer, ingurgiter... Non, c'est plus l'inverse. C'est un groupe de mots. Ça va, enfin... Ah, c'est l'inverse. C'est un peu plus l'inverse, oui. À vomir. Non. L'inverse de manger en soi. Non, non, mais... J'ai peur de trop vous aider. Ah, c'est quelque chose qui sort du corps plutôt que qui rentre... Ouais. Pour se payer une machin. Donc en gros, une machine à laver. Elle veut payer quelque chose. Donc pour ça, il faut de l'argent. Oui. Oui. Donc pour ça, elle oblige ses enfants à faire quelque chose pour économiser de l'argent. Ah. Voilà, on va voir comme ça. Donc à ne pas manger quoi finalement. Ouais, c'est ça. Mais il y a une suite de mots. À économiser des. Non. Non, c'est pas économiser des. Ah. Pour se payer une Switch, nous propose Green 3D. Non, non. Une voiture. Non, non, non. À s'arracher des cheveux, nous dit Kétaro. Non, non, non. On est vraiment sur... c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on fasse. Des fois, on le dit, ah, faut pas... pas faire ça. Parce que... Genre, c'est pas faire celle-ci, à éteindre les lumières. Non, non, non. On est vraiment sur le... Autour de manger. La nourriture. La nourriture. Ok. Je vais voir dans le chat, moi aussi. À broyer. Non. Ah, j'ai vu le truc passer, je crois. Willow a dit sauter des repas. Ah là là, mais oui, bien sûr, bien joué, Willow. Merdine, hein. Alors, pour se payer une télé. Non. Oh, ça a l'air d'être un truc qui est genre pas qui sert à rien dans la vie. Ah oui, oui, oui. Moi, ça ne servirait à rien. Mais pour beaucoup de gens, c'est superflu. C'est clairement superflu. Et c'est indigne. Une Rolex. Non. C'est électronique ou pas? Pas du tout. Non. Alors si c'est électronique, ça pourrait être très rigolo, par contre. Ah bon. J'en ai jamais vu des électroniques. J'ai pensé à un truc, mais du coup, non. Il y a plusieurs mots. Enfin, c'est un bijou? Non. Non, mais tu peux y accrocher des bijoux. Un vêtement? Non. Je vais dire une porte-clés, mais du coup, non, c'est un porte-clés. Parce que je voyais Generali qui disait une robe, c'était une bonne idée. Non, non, mais on est sur un truc... Une étagère Billy d'IKEA. En lien avec le corps humain. Ah. Une prothèse? Non. Enfin, non, mais il y a de l'idée. Une béquille? Non. Une paire de lunettes? Non. Ah, on se rapproche? Ah oui. En tout cas, tu... Une paire de lentilles. Arrêtez, paire de... Une paire de jambes? Non. Une lentille? Non. Une paire de seins? Une paire de seins? Mais... Ah. Oh non. Non, j'allais dire encore une connerie après, donc non, je vais me taire. Ouais. Non. J'ai dit, bah après, les enfants, ils m'auront pas de faim. Non mais... Voilà. La paire de... Oui, on l'a vu. C'est oui. Nico dans le truc. Hein. Si on n'est pas ban après... on ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas, oui, comment on fonctionne le...
le système de modération de Twitch. Alors, Archibald avait raison. Ah bah oui, Archibald l'avait proposé, j'avais pas vu. Bravo, ouais. Archie. Ouais, bien, j'ai pas du tout accès au chat hein, pendant le truc. Donc... Ouais, non, mais moi j'avais pas vu le message passer. Je te fais confiance. Titre numéro 6, il réécrit la montre car il la trouve. Et il réécrit une histoire ouais, connue, c'est... un bouquin connu, je veux dire. Ah oui, c'est un bouquin connu. Hein. La Bible. La Bible. Ah. Il la trouve chiante. Non. Ah, attends, ça me parle. Mais moi aussi, c'est un vieux titre, ça. Ah oui, c'est un vieux titre. Oui, oui, oui. Il la trouve... De toute façon, on l'a déjà fait il y a quelques années. Mais c'est oui. possible. C'est pas un truc genre... c'est enfin, un truc en rapport à trop progressiste ou non. Un truc comme ça. Non, il n'y a pas une connerie. Ennuyeuse, non. Non, mais on est autour du truc un peu, quoi. Pas drôle. Non, bah c'est pas censé être drôle à la base non plus. Chiante, ouais. Trop woke, nous non. dit Non, non, 3D. On n'est pas du tout sur les thèmes actuels. Trop ou... longue. Non. Ou trop courte alors. C'est non. un mot. C'est un non, mot. Deux mots. Ah. Ah. Il y a un superlatif. Non. Il y a un. Ben... Ouais, il y a un truc quoi. Il la trouve nulle, nous dit Archibald. Sexiste, propose-t-il nous. Non. Redondant, sympa, daté, décousu. Je lis le chat là. Non. Trop longue. Trop longue. Non. Ah. Bon. La troupe très quelque chose. Non, c'est pas très peu. Non, pas assez. Non, c'est trop quelque chose. Non, c'est pas trop. Ah, quoi coubé. T'as les crampes t'es. Il la trouve quoi. Il la trouve à Pagnan. Non, c'est moi je pourrais vous aider. En fait, c'est tellement. Je suis sûr qu'on l'a déjà fait. Mais oui, je sais qu'on l'a déjà fait parce que ça m'a parlé quand je l'ai vu, mais je la remets quand même. Je me suis dit, ils ont forcément oublié. Et la preuve que oui, vous avez un peu. Bah ouais, donc comme quoi. Non, mais c'est hyper. C'est pas hyper spécifique sur un truc. Non, mais c'est assez large comme. Comme terme. Il la trouve. Ouais, mais faut trouver le mot qui va avec. Il y a un adverbe. Ouais, je crois que c'est pas ça. Enfin, très, trop, c'est des adverbes. Ouais, mais c'est pas ça. Ah, oui, donc c'est pas ceux-là, mais il y en a un. Ni très, ni trop. Passe. Merde. Ah, il y a eu un titre qui est passé, j'ai pas fait gaffe. Spirituellement obsolète. Oula. Non. On va galérer sur celui-là, je sens. On va galérer les gens. Des fois, il y a des livres qu'on peut trouver. Généralement, ceux qui ont des prix Goncourt, par exemple. Hein? Comment on peut les. Ils sont bien écrits. Voilà. Ah, donc mal quelque chose. Mal écrit. Mal traduit, mal écrit. Non, bah, mal écrit, du coup. Ok, voilà. Il la trouve mal écrite. C'était juste ça. C'était juste ça. C'est ça que c'était compliqué de vous faire trouver ça. Bah oui, mais surtout qu'on a été nuls. Hein, pour juste mal écrite, ouais. On a vraiment été nuls. Bien joué, Général Lee aussi, qui l'a eu, je pense, sur le fil. Green 3D qui proposait Apopato Diaphole. Attends. Ouh. Apopario Dialophobiquement. Je pense que c'est pas la même phobie, du coup. Redondante. Voilà. Ah. Tout ça pour ça. Bon. Next. Numéro 7. Il en a... La police l'arrête. Ah. Alors, il... il s'exhibe. Non. Il défèque. Non. En public. Non. Non. En privé. On peut tellement faire une phrase dégueulasse. Pardon, alors, mais on peut... Non, mais il est à fond, ouais. Mathieu, en vrai. Non, un truc... Non, je pense à rien, mais on fait ce qu'on veut. Il en a... Oui. Il fait ce que tu veux avec ça. Alors, le premier, c'est un verbe. Oui. Okay. Il mange. Le deuxième, c'est un verbe sous une forme particulière. Ok. Ça, ça reste un verbe. Ah, c'est un genre en participe présent. Ouais, je crois que c'est ça. Les cours de français quand Damien est fatigué. Non, un arbre. Non. Non. Et le dernier, c'est un mot... Et c'est vraiment illégal pour le coup. Il s'exhibe en mangeant. Alors, un truc. Est-ce que c'est illégal? Je pense que, dans les faits, va me trouver un article de loi qui dit que c'est illégal. Je suis pas sûr que t'en trouveras. Ah. Mais... Je pense que si tu vois quelqu'un faire ça, ouais, il y a de fortes chances qu'il est sous emprise de quelque chose. D'accord. Alors je vois qu'on a eu un drop réseau là, les gens. Je regarde. Drop réseau chez nous ou chez... Là, c'est chez nous, ouais, clairement. Ah bah il y a plus de réseau. Ah. Il y a plus de réseau. Il y a plus de réseau. Il y a plus de réseau. Alors les gens, je vois que le chat continue de causer, donc le
Est-ce que ça a crash? Oui, voilà, ça a crash. Ok, donc on va pouvoir en profiter pour intervenir. Parce que là, ouais, là, clairement, j'ai plus de réseau du tout. Bon, eh bien, j'interviens. C'est pas grave, on va rebooter. Ça enregistre toujours. Generali qui dit Emma va pas couper la fibre. En fait, on continue quand même le live pour nous en attendant, comme ça pour le replay, ce sera bien. Il conduit en roulant. Il conduit en roulant en juin. La police l'arrête. Ce sera pas ça. Alors, non mais c'est bien, les gens ils découvriront cette partie-là dans le replay. Le serveur ne répond plus d'après ce que dit Clem. Ouais, bah mettez un message dans le chat que le réseau reboot. Vous avez toujours du réseau, ouais, normalement vous en avez toujours. Je vous laisse le dire. C'est pas le Chris qui avait dit « Oh, ça va, Kétaro !» Il suffit que Kétaro arrive et hop, on a les problèmes réseau. Voilà, moi je le vois ça dans l'autre sens. Voilà, faut le temps que ça reboot. Hein. C'est en train de se reconnecter. Et c'est pas la fibre, oui, qui pose problème pour le coup, c'est vraiment le Wi-Fi pour le coup. Ça y est, c'est en train de revenir, je vois que ça s'est passé en vert. On va y arriver, les gens. On va y arriver. Je vous le dis. Allez, connecte-toi. Allez. Putain, c'est super. Ça sera dans l'intégrale. Hein, ah, bien sûr, l'intégrale. Je m'en fous, ça sera dans l'intégrale. J'ai du réseau. Est-ce qu'il veut bien se reconnecter au BS, s'il te plaît? La caméra déjà est revenue. Ça, c'est un bon point. Le réseau est en train de revenir. Ça y est, nous sommes en réseau. Ah. Nous sommes là. Voilà, c'est en train de revenir. Les caméras sont en train de se reconnecter. Et on fait ça. Voilà, donc il n'y a que nous qui avons la rêve de ce truc-là. Je suis même pas sûr que Mathieu l'a. Hop, tout est en train de revenir. C'est bon, les gens. On va revenir. Ça fait de tout peu de tirer. Exactement. Tu nous dis, ah, c'est reparti. Bah voilà. Et c'est reparti. De retour. Donc, Kétaro, je te réponds en direct. Il n'y avait pas de problème. C'est le Wi-Fi qui pose problème. Là, c'est pas la fibre. Et justement, on pouvait encore vous envoyer des messages. Des messages. Des messages dans le chat. Voilà, je pouvais vous écrire. Exactement. Je suis en train de finir de rebrancher les caméras et on va y arriver. Alors, du coup, j'ai vu des trucs passer. Insulte en français un policier, c'est pas ça. Il conduit en roulant un joint, c'est pas ça. J'ai vu autre chose passer tout à l'heure. Ouais. En tout cas, j'ai pas vu la bonne réponse passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait en... Enfin, il fait un... C'était ça? Et la police l'arrête. Oui. Ça y est, c'est bon. J'arrive à... qui dit, j'ai eu une coupure de courant hier au boulot, j'étais aux toilettes. Bon. Ah, ça c'est bien. Pratique ça. Pour s'essuyer. Quand tu ne vois plus, quand il n'y a plus de lumière. Ça c'est pratique, en effet. Normalement, tout est revenu. Je vérifie. Kétaro qui dit, crie, je te merde. Oui, parce que j'ai balancé en fait dans le chat. Ah bah bien sûr. Ce que tu as dit, hein, j'ai dit, voilà. Je vous embrasse bien fort. Et il manque plus que Clem, du coup, qui n'est pas visible. Je ne le vois pas connecté, mais ça a l'air... Clem aussi, après. Après, Clem a dit problème de... Bah, c'est bizarre, problème sur le serveur, mais... Ouais, non, mais là, pour le coup, ouais, là clairement, c'était le truc Wi-Fi. Donc, ça a redémarré. On va surveiller ça. C'est ton anniversaire, Generali? C'est vrai, bah, bon anniversaire, Generali. J'ai une surprise pour mon anniversaire, mais non. Eh bien, joyeux anniversaire. Ah non, Clem est de retour, ça y est, il est là. Ça devait être hier, peut-être, son anniversaire. Bah, dis-nous. Hier, eh ben bon anniversaire à toi, Général Lee. Gris 3D qui est vraiment, il est méchant. Dis-moi que le distributeur de PQ était électrique. Ça c'est pas cool. Bon, c'est bon. Normalement, tout est revenu. Les caméras, Clem, il est revenu. Bon anniversaire. Oui. Voilà, en principe, ça devrait être bon. Voilà. Donc on en revient à notre phrase. Oui. On n'arrive pas à savoir. Alors, le troisième, c'est un animal. Voilà. Un chien. Non, un chat. Non, un perroquet. Non, arrêtez avec vos perroquets. Non, ça marchait pas. Ouais. Non, mais on se rapproche un peu, côté. Ouais. Un reptile. Un crocodile. Crocodile. Un serpent. Ouais, plus. Pangolin. Un caméléon? Non, mais on est dans ce coin-là, les trucs un peu. Oula. Un peu visqueux. Visqueux. Ouais. Un escargot. Non, ouais. Mais... Une limace. Bah non. Non. Non, c'est visqueux. T'as pas envie de le lécher. Un crapaud. Oula. Un crapaud. Un crapaud. Voilà. Il. Ah bah oui, faut que je recherche ça aussi, du coup. Ça va pas marcher. Bah, tu vas recharger aussi de ton côté, Damien. Ok, vas-y. Hop, je redémarre tout, c'est pas grave. On n'est pas une fois prêt. Donc, il. Un crapaud, la police l'arrête. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec le crapaud? Qu'est-ce qu'il veut faire avec le crapaud?
En léchant. En léchant un crapaud, oui, parce que j'ai balancé le truc juste avant, j'étais vraiment un gros con. Moi qui dis pour faire deviner le mot crapaud. Non, mais danse en léchant un crapaud. Danse. Non. Ok, donc bon, bah Mathieu a trouvé toute la phrase. Mais arrête tes conneries. On arrête là. Ah, d'accord, c'est bien. Mais pourquoi il danserait avec un crapaud? Non, en léchant un crapaud. Oui. Voilà. T'imagines? Non, j'imagine pas. Vaut mieux pas imaginer, non, je pense, clairement. Ok, donc bah, pourquoi pas, hein, et la police l'arrête pour ça. Oui, bah, en même temps, quelqu'un qui danse en léchant un crapaud. Oui, c'est qu'il doit pas être très fin. Crapaud, t'as plus de chances de te retrouver à l'hôpital que, au commissariat. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Bon, normalement, tout doit être en train de revenir, c'est bon. Ouais, si je fais ça, ça marche. Ça s'en va et ça revient. Est-ce que t'as rechargé, toi, de ton côté? Oui. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Oh, on va y arriver, les gens. C'était les bonnes réponses, les voilà. Ah là là, compliqué. Ouais, j'ai tout fait, hein. Mais on va y arriver, c'est vrai. Évreux, mais quel pays, mais quelle idée d'aller là-bas? Il barre la route des avec une pour empêcher de son. Et mais plus de aussi. Ouais, il barre la route des flics. Ouais, des... ouais, ouais, on va valider ça. C'est plus... avec une machette. Non, là, le mot que vous allez devoir trouver, il a aucun lien. Enfin, hein, il va être très compliqué à trouver. Bah, voilà, moissonneuse batteuse, peut-être. Non, on est sur un objet beaucoup plus petit que ça. Avec. Non, plus gros. Entre la fourchette et la moissonneuse batteuse. Une fourche? Non. D'accord. Avec une porte? Non. Une pelle? Non. On est sur un objet électronique. Ah, une télé? Plus petit. Plus petit. Une console de jeu? Une Nintendo DS. Un peu plus gros que la console de jeu. Ah. Plus gros même. Plus gros que la console de jeu? Oui. Et plus petit qu'une télé? Ouais. Enfin, ça dépend. C'est de l'électroménager? Une bouilloire? Non, on est sur l'électrique. Enfin, non, ouais. Un truc qu'on trouve dans le bureau, par exemple. Ah! Une imprimante. Une imprimante. Oh, ah, oh! Bien joué! Voilà. Pour empêcher. Dans le bureau. Alors, pour empêcher. Non, peut-être que c'était une imprimante, tu sais, les gros formats qu'on a dans les bureaux, les open space. C'était pas la HP ou la Canon que t'as chez toi. Hein. Mais j'imagine le truc, il le pousse sur la route. Pour empêcher un crime? Non. Bah, mais non, pour non, il y a pas de pronom avant pour empêcher quelqu'un. Alors non, il y a un L apostrophe. Ouais. Ah. Alors l'arrestation, on nous propose dans le chat. Bah bravo au chat. De son chien? Non. De son conjoint? Non. L'abattage de son cheval, nous dit Emma. On est sur quelqu'un de la famille. Ouais, de son oncle. Frère. Voilà. Ah bah c'était efficace ça, tiens. Ouais. Finalement, plus que les autres, d'ailleurs. Attention, celui-là, il est un peu cocasse. Oh, cocasse. L'espérance de vie. Réduise l'espérance de vie. Celui-là, fumer, fumer et boire? Non. Alors, forniquer. C'était pas mal, hein. Non. Non, non. C'est cocasse, on a dit. Hein. Ah, c'est cocasse. Ah oui. Le deuxième mot à trouver, il est cocasse. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on fait? Ah non. Vaut mieux pas. Ah bon, alors... Le premier mot, tu peux le faire, hein? Oui. Le deuxième mot, comme on dit, tu le fais qu'une fois. Hein. Alors, Andy Manon qui propose le suie et le meurtre. Je prononce pas ce mot-là, il est interdit sur les plateformes en général aussi, donc on se méfie. Alors, faut pas le prononcer, mais je peux l'écrire ou pas? Ah, tu peux l'écrire, oui, vas-y. Bah oui, ça réduit l'espérance de vie, tiens. Ah, meurtre et suicide. Forcément. Ah bah voilà, bon bah ça y est, le mot a été lâché. Quoi? Hein? Non, parce qu'en général, c'est un mot qui à l'oral passe mal pour les robots qui contrôlent et voilà, qui disent les vidéos sont pas appropriées. C'est pas grave. Gueule, franchement, je... Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, ça n'a aucun rapport avec... Le mot. Le mot. C'est un autre mot... Covid? Non. Non, c'est plus pour des gens qui peuvent être addicts à... aux substances psychotropes. Ah bah les drogues du coup et drogue ouais. Et suicide. Non pas drogue. Une drogue en particulier tu non cherches. Pas une drogue en particulier mais champignons. Il y a addiction. Ouais mais plus dépendance. Non. Ah bah addiction pour dépendance ouais, pour plus moi c'est plus que addiction que... ouais. Non, non mais pas forcément non mais plus large. Ah overdose nous dit Andy. Ouais on est sur c'est pas le mot overdose mais c'est genre en dessous overdose. Ah, en dessous overdose ouais. Mais au-dessus d'addiction. Mais c'est ça, non, et mais au-dessus de dépendance. Il y a addiction. On va dire qu'après il y a dose. Ouais. Après il y a un. Et après il y a overdose. Bah ivresse ouais. Dépendance. Non. Ouais, je vais vous le donner. Parce que vous êtes on tourne autour du pot. Ouais. Bah oui.
La surdose. Ah, oh surdose là là. Ah ouais, okay. Ah ouais. Ah, il y avait Green 3, Nantienou qui avait Upperdose, ok. Ouais. Bon, eh ben, c'était pas si loin. Ok, donc surdose, ok, bon, bah pourquoi pas. Les suicides, généralement, ça réduit un peu les séances. C'est vrai. Non, mais... c'était cocasse. Éviter, ouais. Le cadavre retrouve... On le fait, ça ? Bah écoute, tu le fais qu'une fois. Hein. C'est ça. Non, mais il y avait eu un titre comme ça qui avait beaucoup tourné, où c'était un truc genre le cadavre retrouvé mort ou quelque chose comme ça. Ah oui, ah oui. L'assassin était le meurtrier. Non, ou l'inverse. Une journaliste qui avait dit un truc genre... c'était un truc genre... Il est mort, mais en fait, il est en vie. Enfin bref. Oui, non, mais finalement, il était indemne. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, l'inverse aussi. Ouais. Ça c'est déjà vu. Il en reste combien ? Il reste un dernier. Un dernier, ok. En feu, l'appareil sauvé des... L'appareil à raclette ? Je ne pensais pas que ça allait être le premier mot. Sauver des flammes ? Chalet en feu ? Non. Non, fromage ? Non. Non, non, on est sur un truc, ça n'a aucun rapport avec... Ah ? Avec canapé ? Non, avec la raclette, aucun. Maison ? Non. Canapé, nous disait Clem ? Non, non. On est sur un objet extérieur. Lampadaire. Archibald qui dit 2 morts graves et 3 tués légers. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être en feu ? Un animal ? Non, horrible, non. Le chat en feu. Voilà, on a tous sache. En tout cas, dans l'équipe des chacals, on a tous. Est-ce qu'il y en a ici dans le studio ? Lunettes en feu. Non. Un tapis, nous dit Clem. Ça rentre pas. En termes de taille, ça peut rentrer dans le studio. D'accord, mais c'est gros. Mais il y a une porte, et du coup, ah oui. Ça rentre pas par la porte. Mais en vrai, ça me parle, cette histoire-là. Ça me parle. C'est un gros truc, quoi. On en a tous. Un barbecue, nous dit General Lee. On en a tous. Une table, une imprimante. Non, encore. Une 3D. Une voiture. Une voiture. Bien joué, General Lee. Ah, mais la raquette, elle était dans le coffre, peut-être. Je sais pas, sûrement. Du coup, heureusement qu'ils ont sauvé l'essentiel. Oui. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, les gens, je sais pas si vous avez remarqué. Déjà, merci Damien, parce de que rien. C'était le dernier. Ça fut compliqué avec ce petit bug. C'est vrai. Mais bon, nous sommes là, vaille que vaille. Nous sommes bien amusés. Et ça, vous avez remarqué, c'est de la couleur, ça, maintenant. C'est en couleur, vous pouvez voir la belle cheminée. Waouh, vous avez ces verts, du coup. Voilà, vous voyez la voilà maintenant, on voit la belle tapisserie. Avec le très beau revêtement que nous avons fait. Ah, c'est oui. Ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'ai allumé les caméras, c'est peut-être pour ça que tout déconne ce soir, hein, mais j'ai allumé les caméras, je fais tiens, c'est bizarre, l'image, elle est plus bruitée, on n'est plus obligé de la masquer. C'est vrai que là, je vois, je bouge les mains, ça glitch un peu. Hein, c'est je bouge et finalement. Ça sur le retour, c'est pas terrible, mais. Ouais, mais on a la même chose chez nous, donc oh, hop, mais on va remettre Twitch, ça. C'est bien. Ouais, voilà. Hop, on n'a rien vu. Ça aurait gâché la soirée. Donc à peaufiner, mais visiblement l'image était meilleure. J'ai pas compris. Oui, mais on a des problèmes de Wi-Fi. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc merci Damien, disais-je, pour le Game of Thrones. On va faire un troisième indice pour le fil rouge. Ouais. C'est The Red parti. String. Numéro 3, il est là. Regardez. Oh, il était trop mignon. Un petit chat. On dirait un peu exé. Ouais. Je suis sûr que sa truffe, elle est mouillée. On dirait pas. Elle est mouillée et froide. Oui. Là, il te juge, tu vois, en plus, quand il regarde comme ça. Non, là, il dit, ouais, là, il est quelle heure ? Oh non, j'ai pas envie. C'est ça, c'est vrai. Laisse-moi me mettre dans tes bras sous la couette. Ouais. Voilà, donc le petit chat. J'ai envie de le caresser. Essayez de deviner. J'ai envie de lui faire ça. Ouais. Personne n'a vu, du coup. Oui, mais... personne ne voit. Mais tu veux lui toucher la truffe ? Oui. Ouais. Ça. Bon, les amis, on va marquer une petite pause. On va revenir juste après. Chat. Avec le bistrot des Chacos. Ça va revenir dans une minute. Donc, eh bien, restez bien avec nous. Il est où mon... Ah, il est là. Restez bien avec nous. Le bistrot des Chacos, ça arrive juste après ça. We'll be right back.
Hop là. Et de retour dans le studio. J'ai rien voir ça en fait. Du côté du c'est bar, les amis. Un farfané, ah, dis donc, on est encore flou, dis donc. Alors. Ça. Faut que je refasse la mise au point là. Faut tout faire dans ce studio. Hop. Voilà, mise au point. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est, ça y est, vous vous servez. Hein. Faites comme chez vous. C'est le principe. Ah merde, c'est dans le sens. C'était fermé. La technologie, hein. Ah ouais, mais moi, j'arrive des trucs électroniques comme ça, je peux pas. Bon, les amis, du coup, le bistrot des Chacos. Eh bien, pour commencer, Facebook. Oh, oula, c'est vieux, ça existe encore. C'est. Le même réflexe. J'ai ça, on est dessus. Hein. Bah oui. Facebook est en train de remettre une fonctionnalité de son réseau social à l'avant-plan. D'après vous, laquelle ? Market. Non. Pas Market. Rencontre la couple, là. Non. Hein ? Non. Oui, il y a un truc comme ça, bref. D'accord, tu parais bien être au courant. Ça me fait peur. Une fonctionnalité de Facebook qu'on n'utilisait plus. Ah oui, qu'on avait même oublié un petit peu, je dirais. Qu'on a déjà tous utilisé, tu penses ? Moi, je l'ai déjà utilisé. Toi, je sais pas, Mathieu. Il n'y avait pas le système de Wiz sur... Non, presque. Il y avait un truc. L'époque. Oui. Oh, c'est pas non. Vrai. C'est ça. Mais le truc, ça sert à rien. Alors, il s'agit... Bah, trop bien. Bel et l'accès bien. L'accès à Caramel. Je me souviens encore de... Qui est-ce qui m'a poké ? Ah, il s'agit bel et bien du POC, une fonctionnalité dont on avait un peu oublié. Bah, mais il avait carrément enlevé. Ça existait toujours. Ah c'est, bon c'est, oui, j'ai cherché tout à l'heure, ça existe toujours. Mais alors, c'est clairement un whiz. J'explique justement. Ils ont remis cette feature voilà, en avant. Ils ont constaté une multiplication par 13 des POC depuis qu'ils ont remis ce truc-là en avant. Sans doute la curiosité des gens qui ne connaissaient pas oui, le truc. Assez... Les jeunes. Et justement, la moitié des utilisateurs de POC sont âgés d'entre 18 et 29 ans, donc ça plaît visiblement aux plus jeunes. Encore on n'est pas au courant. Ben... C'est tant mieux qu'on n'est plus au courant de ce qui se passe. Voilà. Non mais on avait 29 ans que ça existait déjà plus l'époque. Donc, alors comme moi, voilà, peut-être que vous aviez oublié l'existence de ce truc. Oui. Mais ça n'avait pas disparu, il fallait juste savoir où le chercher, il fallait bien le chercher surtout, c'était surtout ça. Il fallait pas aller sur le profil de la personne et cliquer sur POC. Alors non, à une époque si, mais là c'était encore plus caché. Vous pouviez taper POC dans la barre de recherche. Et il vous sortait le truc d'époque et vous pouvez voir qui vous avez poké. Moi, tout à l'heure, j'ai poké quelqu'un. Comme ça. Oui, mais quand tu sais ou pas. Je sais pas, faut que je lui demande. Ah, il y a une notif. Hein. Essaye de poké quelqu'un. Non, mais quand quelqu'un te poké, t'as. Oui, non, mais une notif. Oui, à l'époque. À l'époque. À l'époque. À l'époque. Pas de temps. Essaye de me poké moi. Mais alors, je vais essayer de poké Damien. Qu'est-ce que tu dis, Clem ? Ah, bah, de mon temps, on pokait, ouais. Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. Alors, jamais en fait. Tu sais, le whiz c'était bien, ça apportait un truc féerique, le whiz. Je vais essayer de poker Damien en direct, on va voir si ça marche. Alors, on sait juste pas vraiment à quoi sert le POC concrètement. Ça servait pas à grand chose. Certains pensent que c'est pour interpeller ses amis Facebook, genre tu tapes sur l'épaule, quoi, voilà. Genre D'autres. Un message, en fait. Bah ouais, d'autres étaient plutôt irrités justement par le POC en mode bah c'est un peu chiant quoi, voilà, peut-être qu'ils bon, se prenaient plein va de POC. Se dire, hein, quand on n'arrêtait pas d'être whizé, c'était un peu chiant, oui, quand même. Oui. Alors, ah bah oui. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le whiz. Alors c'était sur MSN. Trouver des amis à qui envoyer un POC. Donc Damien. Oui. J'envoie un POC à Damien. Aucun résultat. Ah, c'est embêtant. Ah, parce que ça marche vachement bien ton truc. Bah alors, je l'avais tout à l'heure sur mon PC, mais là, sur téléphone, j'ai rien. Donc, bah, tant pis. Bon. Mais donc, voilà, ça revient à vous de voir si vous vous en servez ou pas du POC. Peut-être que ça marchera mieux sur iPhone, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur t'as le mien... T'as POC dans la barre de recherche de Facebook ? Ouais, c'est ça. Il te le sort comme une appli, en fait, et tu vas dedans. Et donc, voilà, je te laisse regarder. En attendant... on va parler aussi d'un record qui a été battu cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a écrit POC et du coup, le premier résultat, Pokémon. Ah bah oui, forcément. Un nouveau record qui a été battu cette semaine en France. Peut-être que vous en avez entendu parler. Mais d'après vous, de quel record on parle ? Sportif. Non. Ah, pas du tout. C'est de la bouffe. Oui, c'est de la bouffe, ouais. La plus grande galette. Non. Le meilleur burger. Non, pas le meilleur burger. Raclette. La raclette, ah, ça oui. Chris, je peux pas te poker ? Tu peux pas me poker. Je te l'ai déjà envoyé un. Ah, c'est à moi de te répondre. Je te l'ai envoyé ouais, quand ? Ouais, mais ça marche pas dans l'appli, là. Mais je te l'ai envoyé quand ? Ouais, mais je l'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était 2020. Bah, c'est pas si vieux. Bah oui, mais je... Ouais, mais enfin 4 ans quand même. Hein. Attends, j'ai poké... Ah, t'as 4 ans ? On s'attendait à du 2013. Voilà. J'ai poké Clem.
Ah, donc il va poker Clem. Je t'ai poké Clem. Tu diras si t'as reçu une notif. Ah, ça y est, j'ai la notif. Oh, ah bah, hey, ça marche bien. Ça marche et quand on clique dessus. Ah bah, on voit des gens qui nous envoient des pucks déjà. Ah là, tu peux contre-pucker du coup. Ouais. Bon voilà, je vous affiche du coup une photo de cette raclette géante. Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air trop... J'ai faim. C'était dimanche dernier à Saint-Étienne dans la Loire. Quelques chiffres pour vous mettre l'eau à la bouche. Surtout la raclette, ça donne soif. Ah oui. 2236 personnes se trouvaient au parc des expos de la ville. Ça donne pas faim le nombre de personnes. Ah non. le nombre de kilos de fromage. 620 kilos de fromage. Bonjour le bilan sanguin. 350 kilos de charcuterie. Une tonne de patates. ça pèse lourd les patates. Ça, les patates, ça passe, ça fait rien. Ça. Ouais. Et 2500 bouteilles de vin pour aller avec la raclette. Ah bah, oui. faut bien rincer. Hein. Et ben oui. Il y a même un tableau qui a été vendu au profit d'une association qui promeut l'inclusion et la sensibilisation autour du handicap. Je pensais qu'ils allaient mettre au taux d'obésité, mais ok. Ben, on peut pas tout. Peut-être l'an prochain. Ouais. Parce que l'an prochain. Green 3D, pardon. Il a eu la même réaction que moi quand j'ai vu l'info cette semaine passée. Oui. Il dit que ça devait schlinguer dans la salle, mais je lui dis l'odeur, ça devait être dedans. L'odeur de la raclette, elle va rester pendant 3 semaines. T'as 600 kilos de fromage. Et la consommation électrique des appareils à raclette, mon gars. Mais oui. Ça a dû faire péter les plombs. Hein. Mais non, mais t'imagines aussi l'odeur de la raclette qui reste chez soi. Imagine pendant 3 semaines au parc des expos, il va y avoir l'odeur. Moi, je trouve que c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais le matin, je trouve que ça sent. Bah, ça sent le graillon un peu. Ouais, ouais non, moi, avec un petit. Ouais, non, je veux dire, ça s'en va pas dire. Bon, après, quand c'est chiant, c'est que ça imprègne les vêtements. Et ouais, c'est ça. Les vêtements qui... Donc, le précédent record était détenu par des étudiants à Chambéry qui avaient rassemblé pas moins de 1067 personnes. Chambéry, c'est local. Ouais. Normal. Bon, c'est des petits joueurs quand même par rapport aux 2000 et quelques. Et du coup, Saint-Etienne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il parle déjà de renouveler l'expérience l'année prochaine. Eh ben, go. Le rendez-vous est pris. Voilà. On va parler jeux vidéo à présent. C'est pas souvent qu'on en parle, mais allons-y. Et IA aussi un petit peu, puisque c'est le sujet. Ah, on changer. On est alors, bien. Nvidia avait présenté un nouveau projet l'an dernier, ACE, pour Avatar Cloud Engine. Mm-hmm. L'objectif de ce projet, donner vie aux PNJ. Alors, les PNJ, ce sont les personnages non-joueurs. Non. Voilà. Mm-hmm. Autrement dit, ce sont des personnages que vous pouvez croiser dans un jeu et qui sont juste là pour la déco. Ou des quêtes. Voilà, en gros, et ils peuvent dialoguer un peu avec vous. Des fois, ouais. Ça peut permettre de recueillir des infos. Tout à fait. Quand le but du jeu, c'est d'enquêter sur quelque chose, par tout exemple. Tout à fait. Alors, jusque-là, les PNJ, ils avaient des dialogues préenregistrés. C'était tout. Oui. Bah, non. Voilà. C'est normal, c'était le jeu qui était fait comme ça. Mais avec ACE, ça va sûrement changer complètement la donne, puisque les PNJ deviendront en quelque sorte conscients de leur environnement. Putain, ça fait encore flipper, ça. Et ouais, okay. Ils pourront avoir de vrais dialogues générés par intelligence artificielle. Et là, ils t'insultent. Ça pourrait être très drôle. Arrête de jouer, connard, va dormir. Oui, maman. Et donc, voilà des dialogues qui pourront varier aussi en fonction de votre propre progression dans le jeu. C'est pas facile. Teaser de jeu était rendu qu'ici. Elle va falloir s'activer, mon gars. C'est ça. Le PNJ qui te troll. Ah, mais trop. Donc, autant dire que le côté immersif, quand même, des futurs jeux vidéo, ça risque de prendre une sacrée claque. Quand même. Ça va être drôle, ouais. Ouais. Non mais pour des jeux, alors ça va parler à Clem aussi, ils avaient cité dans l'article de Presse Citron où j'ai pris cette info, ils parlaient de Deus Ex entre autres. Ah tiens ton jeu. Voilà. Oui, et puis tous les jeux de rôle finalement, ça va être génial quoi. Ben voilà, et puis ils parlaient aussi de Cyberpunk, enfin tous les jeux comme ça qui sont un peu dans le même délire. Ouais, imaginez les Sims avec des vrais dialogues. Arrête, ne me noie pas. remets l'échelle. Ah, c'est clairement ça. Le four, faut l'éteindre. Allez, côté voiture maintenant. Les véhicules neufs en Europe à partir de cet été devront être équipés obligatoirement d'un système de surveillance de l'attention du conducteur. Concrètement, une caméra sera pointée sur le conducteur et analysera en temps réel son regard en permanence pour détecter plusieurs choses comme l'orientation des yeux. Voilà, le taux de fermeture des paupières, la position de la tête, etc. Si le véhicule détecte que vous devenez inattentif pendant trop longtemps, à une certaine vitesse, eh bien la voiture se mettra à vous alerter pour que vous vous concentriez sur la route. Ça te hurle dans les oreilles. Ah ouais, je pense. C'est ça, ouais, il va faire un bip, 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 conduit. Enfin, regarde la route. Alors. Est-ce que t'auras pas un PNJ pour dire
conduis, connard. Ça pourrait être très drôle. Donc ça peut être bien, voilà, pour rappeler à l'ordre les conducteurs qui ont un peu trop le nez sur le téléphone. Autre utilité, celle de détecter aussi les signes de fatigue, ouais, et inciter donc le conducteur à faire une pause si nécessaire. Le système devra équiper les véhicules, mais ne sera pas obligatoirement activé. Certains constructeurs précisent que si le système est débrayé, bah, il sera rallumé à chaque démarrage. Bref, c'est plus un assistant qu'un véritable Big Brother, dans un sens heureusement, car on n'est jamais à l'abri aussi d'un bug, hein, qui fasse sonner l'avertisseur alors qu'en fait tout va bien. Ça serait très chiant. Mais moi j'ai ça sur ma voiture. Alors je crois pas qu'il se base sur le regard, mais plus sur le fait de si tu t'es, parce qu'il regarde la ligne en fait qui passe au sol, et si tu te déportes un peu trop, je pense que c'est là qu'il te dit attention à ta conduite. Je crois que c'est là-dessus qu'elle se base. Donc voilà. Et on va terminer du coup en parlant des journées mondiales, parce qu'aujourd'hui il y en a plein. Littéralement, regardez, il y a tout ça de journée mondiale. Attention. On n'a pas encore le retour. Ça arrive. Ouais, on n'a pas le retour encore. Voilà, vous allez voir sur le retour. Tac. Oh, putain. Oh là. Ah non, faut jouer. Ah, c'est un. Faut qu'on devine. C'est plus. Pas bah, je vais vous guider. T'as pas, pas. J'ai fait pareil. T'as le pas truc le micro de Google contre, là. Ah oui. Le truc de Google. J'ai pas de truc. Top réponse là. On dirait ça. Ah oui, bah c'est, oui, c'est un peu comme le serez-vous plus fort que l'algo. Voilà. Voilà, c'est alors, je vais vous guider. Ça se trouve, si vous allez me faire des propositions, ça va être dans les réponses, tellement il y en a. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a comme journée mondiale aujourd'hui? C'est aujourd'hui ou demain, j'ai un doute. De quoi? De la trisomie 21, faut dépareiller ses chaussettes. Ah, alors, parlons-en. C'est demain parce que 21, du coup, 21 mars, voilà. 3-21, donc trisomie 21. Faut effectivement dépareiller. Ça, c'est l'opération qu'il y avait une marque de chaussettes qui fait, qui s'appelle Dédolès. Alors, c'est pas sponsorisé, mais ils ont des chouettes paires de chaussettes. Voilà, je le dis. Et du coup, ils avaient lancé ce truc-là où il fallait dépareiller les chaussettes pour faire parler justement de la trisomie 21. Mmh. Donc ça, pour le coup, effectivement, c'est demain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah, Clem, ça y est, il a répondu le poke. Oui, j'avais répondu. Qu'est-ce hein. que... J'allais te poker tout le monde. Hop. Alors, il y en a une qui parle de... Archie, t'es là? Je t'ai poké. Hein. La journée mondiale du chocolat? Non. Chocolat, non. Journée mondiale du cornichon? Non. Il y en a deux qui parlent de bouffe, en vrai, je vois. De la raclette, la pizza? Non. Alors, il y en a un, c'est un aliment, et un autre, c'est une journée internationale sans quelque chose, sans un aliment. Sans beurre? Non. J'allais dire sans viande. Sans viande. Sans viande, Clem, il l'a trouvé. Ah, donc c'est la Saint-Végétarien. Voilà, ça, on peut dire ça comme ça. J'ai mangé de la Saint-Végane. J'ai mangé du poulet ce midi. Oups. Oui, moi aussi. Voilà, et puis bah, ce soir, il y avait des lardons dans la quiche, donc trop tard. Ah, non, c'était une paella, donc poulet. Ah, bah oui, forcément, paella, c'est fichu. L'autre aliment, c'est un aliment, c'est une pâtisserie qu'on peut trouver dans des boulangeries. Macarons. Macaron, ah. Donc journée internationale du macaron. Oula, c'est quand tout petit sur ton écran. Ah bah oui, bah c'est pas tout fini. Tout est serré. Ah ouais, c'est serré, hein. Oui. Wow. Alors, aujourd'hui, on est le 20 mars. Il se passe quelque chose de particulier, oui, le 20 mars. Bah, le printemps. Le printemps. Oui, le printemps. Mais il y a vraiment une journée internationale du printemps. Non, c'est juste le printemps. Ah, voilà. La journée internationale mondiale des bourgeons. Alors, alors, le journée printemps... universelle. Qu'est-ce qui se passe au printemps, en général? Les abeilles butinées. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On est. Les oiseaux, on est. Les souriants, du sourire. Ouais, on est. De la bonne humeur, de la joie. Bon, allez, on je vous compte. Journée mondiale du bonheur. Oh. Oh. Voilà. Bah, Damien, c'était pas le bonheur. Ah, non, ouais. C'est vrai que je dis ça, Damien, il est là. Oh. Il était plutôt. Hein. Il est où le bonheur? Il est où? La semaine est longue. Dans quel pays on est? France. Oui, donc journée internationale France, de la France. De bas presque France. Du coup. J'ai fait ma Miss France. France La francophonie. La francophonie, exactement. Ok. Une qui parle autour des... Comme ça. Des dents ? De la santé bucco-dentaire. D'accord. Voilà. Alors là, on a... Bon, c'est un peu pour dévier un peu, mais semaine internationale pour les alternatives aux... qu'est-ce qu'on pourrait alterner ? Qu'est-ce qu'on pourrait... Les voitures ? Non. Les énergies, ouais. Non, pas les énergies. Qu'est-ce qu'on pourrait alterner ? Aux un truc qui... électroniques. Enfin, aux truc... écrans. Non. Un truc pareil qui est considéré comme polluant. Le pet chauffage. Vache. Chauffage, non. Pet vache. Pet vache. Polluant, pet vache. Alors, on est dans l'agriculture. Du pet vache. Ah, tu vois, pesticides. Aux pesticides. Tu vois, je me suis, grâce à moi, j'ai trouvé pesticides. Voilà. Alors, journée internationale de lutte contre les... Violences sauvages. Incivilités. Alors, incivilités, non. Violence, oui, mais pas violences faites aux femmes.
Violence. D'autres violences. Violence morale. Violence policière. Violence policière. Ah. Voilà. Chaud. Ouais, je vois ça. Journée internationale. Un oiseau. Colibri. Non. J'ai une même du pigeon. C'est rien. C'est pas le pigeon non plus, Clem. Une gorge. Non plus. Du pan. Non, c'est un petit oiseau. Un petit. De la mésange. Non, pas une mésange. Un petit oiseau. Un petit cuicui. Un petit. Elle a du petit cuicui. Un petit. Bon, allez, je vais vous le montrer. Le perroquet. Non, c'est un petit. Journée mondiale du moineau. Ah, le sparrow. Ah. Le sparrow. Ah oui, Jack. C'est vrai, effectivement. Journée mondiale, les deux derniers, enfin, il y en a un troisième, mais je le garde pour la toute fin. Les deux derniers qu'on cherche là, journée mondiale, ça tourne autour de l'histoire, de Stéphane la lecture, de Stéphane Bern. De la littérature. Non, il y a un type d'histoire en particulier. Du roman. Conte de fées. Du conte, ah. Voilà. Journée mondiale du conte et journée internationale. Alors celle-là, vous n'avez pas la trouvée, je vais vous la donner. Journée internationale. Patou, j'ai pas vu l'oiseau. Oui. Émeute Patou. Pas mal. On l'a invoqué une fois. La journée internationale du livre voyageur. Le concept, en fait, c'est des livres qui se promènent. Voilà, ils s'échangent les livres un peu partout. Les boîtes là. Non, même pas. Apparemment, c'est genre tu te promènes avec un livre, tu le donnes à quelqu'un et puis il doit se promener avec ce livre et le donner à quelqu'un d'autre. Moi, il y a un mec dans la rue qui me donne un livre. Je vais que je fasse de ça. C'est pas mec. Ouais, je leur donne un autre. Un livre qui daterait de la Seconde Guerre mondiale par un petit moustachu, voilà. Oh, c'est horrible. Cela, il va vraiment se faire ban. Hein, je pense pas que je leur donne ce livre. Tu fais ah, je fonds. Tu fais un auto-dafé, bref. Et la dernière, du coup, je la garde, c'est spécial dédicace à Archibald, puisque aujourd'hui, c'est la Saint Philémon. La Saint Archie. Voilà, bonne donc fête, hein. Nous souhaitons une bonne fête à tous les Philémons. Voilà. En l'occurrence, le petit poisson. Exactement. Il a voyagé lui aussi. Hein. Ah oui. Oui, comme mais je crois qu'il ne sait pas où il est rendu. Ah merde. Ouais, donc. Il était tiré la chasse d'eau et puis hop. Il est où, Fifi? On lance un appel pour retrouver. C'est ça. Autour de l'océan. Il est en Australie. Voilà donc pour toutes les journées mondiales. Et c'est là-dessus que nous allons remarquer une petite pause pour retourner de l'autre côté du studio. Exactement, profitez-en pour boire un petit coup. Un petit coup à la maison. Voilà. Et hop, je vais préparer les lumières aussi parce que c'est très chiant la lumière ce soir. Il faut faire avec. Revenir du plat pays. hop, et. Encore chez Gontran. Ah, c'est bon. Ah, c'est Gontran qui l'a filé. Ça spécule. Voilà. Gontran qui a filé. Il était toujours chez Gontran, okay. D'accord. Qu'on embrasse du coup, Gontran. Allez, on remarque une petite pause, disais-je, et on revient juste après avec. Ça sera le petit bac. Ah bah, encore à moi de parler. Voilà, bah après, on fera ça. Ta gueule. Ah ouais, j'ai plus de voix. Allez, à tout de suite, les gens. Retour dans le studio. Alors là, j'ai ma tablette qui dit annuler saisie, oui ou non. Je clique sur quoi? Bah oui. Je clique sur oui. Oui. Voilà, je sais pas ce qu'il a voulu que je fasse. J'ai dû appuyer sur un truc, je sais pas. Vous êtes encore flou, eh. Oh, arrêtez d'être flou, les gens. La journée là, un peu. Bah ouais, moi c'est la semaine. Le mois. Encore 3 jours, toi. Hein. Elle est longue. On est. On sent que. 3 jours, mais intense. Bon. On perd pas de temps. Hop, et oh, petit chat. Voilà, c'est bon, tout le monde est net. Allez, c'est bon. Zou, ah, on y va avec petitos bacos. Je sais petitos bacos. Je sais plus comment ça s'anime ce truc. Alors,
La parole est à toi. Petit bac, qui veut parole jouer? La parole est à la défense. Attendez. À la défense. À la non, à la défense. J'ai compris, à la défense. Non, mais... Mon Dieu. Bref. Et je pensais que j'étais le moins à fond de tout. Enfin, bref. Par contre, t'es bientôt à Freud. Ah oui, j'ai bien joué pour ça. Je fais vite le jeu et après, je vous laisse la parole. Allez-y. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Est-ce qu'on sait qui joue? Non. Mais c'est normal. Donc, petit bac, 1 versus 1, une lettre et ça change de... Non, une catégorie et ça change de lettre à chaque fois. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Enfin, je crois que c'est ça. Très bien. Donc, on va commencer par la catégorie. Non, catégorie. Ouais. Category is... ça, c'est pour Dragon, ça. Quel... Mathieu, comment je lance le... Très fort. Très fort. Hop, carapace rouge. Oh la vache. Beaucoup trop fort. Ok. Personnage. Alors, tâchez de ne pas dire le fil rouge, c'est les gens. C'est ce que j'allais dire. C'est même plus. Donc. Il y a un personnage de fiction. C'est pas grave, en fait. Remarquez, on peut le dire. Faut juste pas qu'on réagisse. Ça dépend la lettre, en plus. Oui, oui en plus. Vrai. Mais faut, voilà, faut, si on le dit, personne ne réagit. Faut pas comme réagir ça, à cette... Voilà. Donc, personnage de fiction. Ah, non, comment je fais pour savoir... Ah si, je devais faire ça. Ouais. Ça va d'abord être Chris contre Mathieu, par exemple. C'est en 2, en 1 okay, c'est bon. Oui, c'est du 1-1. Ok. Et on aura le petit... Normalement, celui-là, la flèche qui va apparaître... Ok, très bien. Juste après la lettre. Juste après la lettre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Sur personnage de fiction, Chris en N. Nemo. M. Mary Poppins. Ah ouais. Y. Oh merde. J'en ai pas. Merde. Ah là là. Aïe. Ah ouais. Aïe, Clem. Aïe. Du coup, Chris a perdu cette manche. Bigre. Ça a été rapide. C'est ça, beaucoup trop rapide. Donc Chris, il va jouer contre Clem. Maintenant. Attends, je vais pas afficher le chat, sinon je vais me laisser influencer par le chat. Alors Chris voilà. va jouer. Soyez sage dans le chat. Clem. Ah, en 1v1 versus Clem, ok. C'est ça, le perdant Alors. Contre le nouveau. Donc on reste sur les persos de fiction? Non. 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 Attention. Changement Chris, de catégorie. Perdu. Comment je lance la roue pour la Faiblement. Avec toute la faiblesse qui te caractérise. Oh là là. Alors, végétaux, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vas-y, Clem, on n'est jamais prêts de toute façon avec ouais. ça. Ouais. Attention. Chris, végétaux en P. Pétunia. Clem. Y. Ouais. Ah, je l'ai. Bah tant pis, hein. Le Y, il fait chier. J'avais les deux, non Ouais, parle bien dans le micro. J'avais les deux. Pour le personnage fictif, j'avais Isma. Quoi? Isma. Mais c'est quoi ce truc? Dans Cusco, la méchante. Ah, et elle a un nom de fleur, la méchante? Non, mais non. Mais non. Personnage de fiction. Donc. Ah, mais nous, on est sur les végétaux, oui, on a changé. Ben, nous. Le citron yuzu. Ah, le yuzu. Le yuzu. Bah oui, c'est vrai. Le yuzu. Il y a pas hyacinthe aussi? Non, déjà Sainte. Mais c'est pas avec moi, mais. Il y a peut-être que yuzu, hein. Alors, on va pas trop le griller déjà. Il y a un truc avec un Y, on est d'accord. C'est un prénom. Sûrement. Peut-être. Bon, bref, c'est pas ce qu'on demandait. C'est pas ce qu'on demandait, oui, non. Ok, donc alors. Il y a des hyacinthes qui sont un peu des végétaux. Bon. Hein. Mathieu versus Clem, du coup. Mathieu. Si j'ai bien suivi. C'est ça, faut que je trouve. C'est. Ouais. Mathieu versus Clem. Si. Affiché. Ok. Lui. Ah, c'est bon. Ah non, c'est. Un animal, alors, le yémeu. Catégorie, du coup, Clem alors, choisir la catégorie. Tu peux le lancer de manière modérée. C'est parti. Prénom féminin. Oh oh. Là, ça peut aller très vite. Enfin, ça peut, oui, ah oui, ça peut dépoter. Ouais. Là, ça peut dépoter. Y. Alors. Arrête, déconne pas, j'ai pas. Est-ce que ah vous bah si, prêt. Je m'en fous. C'est parti. Si, ça va. U. Ursula. Allez. H. Hélène. Je m'appelle. B. Béatrice. Mathieu Q. Q.
Chloé avec un cul. Non, ça passe pas, ça. Putain, Catherine. Non, Catherine, c'est okay. CA. C'est comme un... Non, moi, j'en ai un en cul, mais je le garde. In. Je le dirai tout à l'heure. J'ai pas de prénom en cul. Vous êtes... vous avez tous perdu. Personne n'a gagné ses deux manches. Ouais, eh ben, c'est pas grave. On va en refaire un tour. Ouais, c'est bon. Donc. Prénom féminin. Chris Mathieu. Ouais. Vous êtes... ouais. Allez, je suis prêt. On refait équilibré. Une nouvelle catégorie. Donc, Mathieu a perdu. Les ébardis. Mathieu choisit la catégorie. Bah, il choisit. Moyen. Il choisit le lancement. Oh là là, bah, ça va être dur, ça. En Y. En Y. Oh merde. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais allons-y. C'est parti, Chris. V. Valérian. Bernard et Bianca. Allez. X. Il y a pas un truc sur Xavier Dupont de Ligonnès? Il y a un livre, y a mais plus ça marche simple. Pas. X-Files. Oh, pas mal. Ouais. Mathieu B. Haute le bossu de Notre-Dame. Ouais. Allez. On compte pas les le. D'accord. Le, ouais. A. 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 Ah, et l'apostrophe, ça passe. Hein. Oui, ah, oui. Ah, putain, attends, non. Ah, oh, si. Merde. Ah là là. Attends, là, tiens, là. J'étais pas concentré. Bah, tant pis, j'ai perdu. Du coup, on refait. Chris, même. Oui. Par contre, si c'est exactement pareil, c'est chiant. Hein. Bah, c'est pas grave, on aurait fait 6 parties. Eh oui. Stage. J'ai dit Clem. Où êtes-vous? Clem, vous êtes. Bonne nuit, Archibald. Bonne nuit, Archi. Bon courage pour demain. Catégorie, Chris, tu choisis comment le lancer? À lancer le mou comme. Non, rien. Mou. Encore? Non. Ah bon? Ouais. On l'a déjà fait aussi, ouais, le premier. Ok. Allez. Ça va, il y aura un peu plus de challenge là. Oui. Si vous êtes prêts, ouais. Attention, c'est parti. Clem, F. Fabien. Ouais. Chris. C'est Fabien. Z. Zachary. Clem, V. Valérie. Oui. Oui, ça marche. C. Bah, Christopher. Tricheur. J. Clem. Jean. W. Walter. Z. Clem. Zorro. Bon. C'est toi qui valide ou pas, Damien? Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des gosses qui s'appellent Zorro ou pas? Pas sûr du projet. Pas sûr. Est-ce que le prénom Zorro, c'est même pas son vrai prénom? Qui s'appelle comme ça? Non. Je sais pas. J'ai jamais regardé un seul Zorro de ma vie. Non, mais c'est un pseudo Zorro dans le. Ouais. Bon, bah. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'appellent comme ça dans la vie. Et quoi? Qui s'appellent comme ça dans la vie des gens. Des gens qui s'appellent Zorro, crois? Ouais. J'ai des doutes quand même. Non mais de toute façon, c'est bon. Hein. Comme ça, maintenant, c'est Ah ben non. C'est non, bah, on va passer à la manche. Si, c'est moi contre, ouais, Mathieu, c'est bon. On va, ouais, c'est pareil. Ça. Et là, du coup, ça va être Mathieu qui va perdre. Voilà. Et du coup, ça va être égalité parfaite encore entre tout le monde. Mais chiant. Je pense qu'on peut lancer vigoureusement. Vigoureusement, voilà. Allez. C'est parti pour le côté vigoureux de la chose. J'aime quand ça vigore. Il n'y a pas plus fort. Non, non, mais on peut tomber sur d'autres trucs, ouais. Oui, bah je relance. Hein. J'aurais dû lancer faiblement. Bon, ouais, ouais, lance faiblement les suivants. Ouais, parce que ça va être très long, sinon. Pas bien. Ah, Végéto déjà fait aussi. Alors qu'il y en a plein d'autres, en vrai. Oui, il y en a plein. Déjà fait. Oh, ça va, hein. Oh, mais c'est déjà fait. Déjà fait. Des objets, là. Ah, oui. Oui, voilà, les objets, là, c'est bien. C'est la catégorie la plus... Ah, eh bah écoute, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Oui. Oh, Mathieu, Q. Une quille. Allez. L, Clem. Une lame. Oui. Oui. P. Une poutre. Oui. W. Un wagon. Oui, oui, oui. L. Mathieu. Une louche. Une louche, ah, oui, bien sûr. Le V pour Clem. Une ventouse. Ah, la ventouse. Ah. P, Mathieu. Une bague. Bien sûr. Le D de Clem. Le D à coudre. Oui. Une trousse. Oui. Ah, c'est vrai. Le U pour Clem. Un urinoir. Putain. Oui, attends. C'est bon. W. Mathieu. Putain. Le wagon est déjà pris. Un Wobinet. Ah ouais.
j'allais accepter. Je sais pas. Oh là là. Oh là là. Qui a gagné les deux du coup? Ah non, Green... non. Non, bah non, on est voilà, encore à égalité fait, tous là. Ah, je sais pas, mon Robinet. Le Robinet, t'as vu. Alors, je précise, Green 3D, que le Wakuto, ça marchait pas parce que c'est un animal, c'est pas un objet. Neptune aquatique. Ah oui. Voilà, exactement. Donc, on en est où là dans ce jeu finalement? On en est où ça me saoule parce que à chaque fois, Chris perd contre Mathieu. Oui. Clem perd contre Chris. Oui. Et Mathieu perd contre Clem. Bah, on a le temps de faire une troisième fois. Allez. Allez, oui, on fait. Et on fait que des lancements courts. Hein, ouais. Oui, des lancements courts. Puis là, on s'en fout, du coup. C'est pour vous. Ouais. Catégorie lancement court. Oui. On fait ou pas Bon, allez, on fait. Allez, on se fait pas chier. Allez, on refait. Allez, c'est parti, on y va. Mathieu. Oui. M. Martin. Bah, Mathieu, ça va marcher. Z. Zachary. Zoro. S. Putain, non. Un prénom. Quand même. Sofiane. Ah putain, tu m'as fait peur. U. Ulysse. Oui. F. Fabien. H. Hector. C. Christopher. Oui. V. Valentin. Z. Zachary. I. Inias. M. Mathieu. B. Barnabé. Oh putain. G. Grégoire. S. Stéphane. C. Christophe. Christophe. Bah pourtant, bon. A. Alphonse. I. Isidore. Ah oui. K. J'ai l'impression quand même. Kevin. Enzo. Oh. Oh, on y a cru. Olivier. Olivier. Y. Ah oh, si, quand même. Il si, y en a un. Deux. Ah non. Ça va. Tu vas me faire ça, Mathieu. Aïe, aïe, aïe. Mais quand même. Je me suis entendu dans le retour de Clem tellement. Bah ça, c'est pas possible. Non, je me suis entendu de très loin dans ton casque. Ton chef. Ah, Yann. Ah ouais. Voilà. Yann, Yves, Yvan. Ah, oui, ouais. Johan, bref. C'est moi qui a gagné du coup. Oui. Ah, enfin. Ça change. Allez, est-ce que tu vas gagner contre Clem maintenant? Ouais. Okay. Et c'est là, on va tous gagner contre ceux contre qui ont perdu. Animaux. Ah, mais allez, allons-y, Clem, on y va avec les animaux. Allez, oui. Clem, c'est parti. Chris, d'abord. Y. Un yak. Oh putain. Éléphant. Clem. Un éléphant. Un dé. Un dromadaire. Le fameux. Le E encore, Clem. L'équidné. Je prie. Le S, Chris. Un serpent. M, Clem. Le martin pêcheur. Oui, oui. Le O. Un orignal. Et passons au J pour Clem. Un jaguar. Le G de Chris. Une gazelle. Et le X de Clem. Un xylophage. Ah oui. Q. Merde. Un Q. Bah non, mais tant pis, retire une lettre. Ah ouais. C'est voilà. Chris. Un chameau. Voilà. R, Clem. Un rhinocéros. K, Chris. Un koala. Putain. K, Clem. Ah, c'est chaud. Ça, c'est traître. Ouais. Oui, parce que là. Un coca. Oh. Ah oui. Le W, Chris. Ouais. Ah, un non. Wapiti. Ah oui, le Wakuto, ça marchait pas. Le V, Clem. Non, je sais pas. Yes. Il a gagné ses deux parties. Allez. Ah, ça y est. Je Allez. Suis joie. On a un gagnant. Maintenant, essayons d'avoir le deuxième. Allez. Donc là, c'est Clem versus Mathieu. C'est ça. Et du coup, celui qui gagne, logiquement. Ah, Tiennou avait Vipère, Général Lee, le Véran. J'avais la Vipère aussi. Olivier Véran, c'est vrai. Ah non, je suis pas sûr, mais. Ah, Varan peut-être plutôt. Ah, le Varan, Olivier Varan. Attention, on fait pas le match Varan. Quand il est déjà terminé. C'est ça. Non, mais c'est histoire d'avoir des idées. Oh non. Oh non, là, on change on quand même. Le faire. Ah, des marques. Okay.
On surjoue le truc à chaque fois. Non, mais moi je suis content de voir que c'est des marques. Clem, F. Clem, F. J'étais trop vite. Fan. Fan ? Non, on est sur des marques. La Fanta. Non, mais attends, t'inquiète. Ouais, on revient. Je buvais, je savais même pas que c'était reparti. Adieu. Eden Park. Ok. K. Clem. C'est chaud. Si j'en ai une. Kodak. Oh, oh bien. Deux secondes. I. Mathieu. J'en ai un. Ah non, c'est pas une marque, merde. Isaac. Oui. Ouais. H. Clem. Hermès. A. Mathieu. Oui. Ah ouais, carrément. A. Clem. Alphabet. De Google. Oui. Oui. L. Longchamp. H. De Clem. Non, là, quand même, j'en ai plus, là. Mathieu, bien joué. Bravo. Bravo. Oui. Il y avait dans le chat Hermès, oui, Hugo Boss, très bien. Auchan avec un H. C'est plus H&M, moi je pensais HSBC tout à l'heure. Ah oui. À la lettre I, c'est con, hein, mais je pensais HSBC à la lettre I. Que des fringues, ouais. Du coup, il disait. Eh bien, merci Damien pour le petit bac. Tu vas pouvoir, dormir. Vous m'entendrez plus qu'à la fin de l'émission. Voilà. Très voilà. Bien, ça vous fera des vacances. On va montrer le quatrième indice du fil rouge sur vos écrans chez vous. L'indice, il est là. Oh ! Donc, les chaussettes. Juste pour info, oui, je peux le dire. On n'en a pas parlé, on n'a pas sorti ce personnage fictif, oui, pendant, oui, le film. C'est vrai. Voilà, je peux le dire parce que ça reste très vague. Ça élimine plein de possibilités quand même, vu qu'on a été très fair play. Mais ce personnage fictif n'est pas sorti pendant le petit bac. C'est ça. Donc, hop, je cache. Pouf, voilà, il n'y a plus rien. Ah, ça compte. On continue, désormais nous sommes rendus au... Ah, le test à la con. Ouais. Alors, je vois qu'on a, toujours Thiénou avec nous sur Discord. Thiénou, est-ce que tu nous entends ? On t'a pas entendu. Est-ce que toi, tu nous entends ? Bon, on n'entend pas Thiénou. Bon, et ben au pire. Alors, Thiénou, une fois. Thiénou, deux fois. Enfin, je vérifie le chat un temps. Thiénou, trois fois. Faut parler dans le micro. Oui, c'est ce qu'on fait. Bon, sinon, c'est Clem qui le fait en direct, si je dis pas de bêtises, le petit bac. Non, dis Manon, pas tout. Alors, Andy Manon, voilà, pour le fil rouge. Le fil rouge, voilà, c'est ça que je cherchais. Oui. En gros, à la fin donc, de l'émission, quand les six indices auront été dévoilés, on lancera un chrono d'une minute où il faudra répondre justement avec les points de chaîne. Et là, tu dis que tu n'en as que 720 sur les 1000. Oui, il faut au moins 1000 points pour répondre, ouais. En effet, ça va être un peu. Il y a encore un peu juste, de temps pour en accumuler, mais ouais. On va en avoir d'autres. Mais en tout cas, il faut attendre la fin de l'émission pour donner sa réponse avec les points de chaîne. Et uniquement les gens qui répondront avec leurs points de chaîne seront comptabilisés. Dans le laps de temps imparti. Oui. Parce que toutes les réponses en dehors ne seront pas prises en compte. Voilà, c'est la règle du jeu. Donc voilà. Donc je pense que ça va être difficile pour toi de jouer ce soir vu que tu n'as pas assez de points de chaîne. Alors, moi, je donne une astuce pour gagner des points de chaîne plus rapidement. Il y a moyen, hein, tu as 50 points tous les combien là ? Je sais pas, mais par contre, pour gagner des points plus rapidement, faut s'abonner. Et ça, c'est Twitch qui décide de cette règle-là, c'est pas nous. Alors, on n'incite pas les si t'es pas abonné, si on dit Manon, abonne-toi, et comme ça, tu voilà. Gagnes des points plus rapidement. Avec le Prime bien. Amazon, je sais peut-être. Pas si on gagne plus vite, je crois que oui. Mais au moins, c'est gratos si vous avez votre Prime, voilà. Je dis ça. Du coup, c'est Clem qui fait le test, c'est ça ? Je dis rien, c'est Clem qui va faire le test, du coup, en direct. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, nous aussi. Donc, Clem, c'est à toi. Alors, Clem... Que sais-tu sur le printemps, puisque aujourd'hui pas grand-chose. Le printemps. C'est donc, ce qu'on va voir. Il y aura pas. Alors c'est pas Topito, oui. Hein, donc actuel. Oui. Je voulais pas le dire, mais bon, ok. Et ça sera juste un score. On cite les sources. Ah oui, d'accord. Alors, Clem, quel est le nom de la déesse romaine du printemps et de la fertilité ? Maya, Libitina ou Vesta ? Libitina, alors ? Ah oui, de toute façon, on saura qu'à la fin. Non, on le sait tout de suite. On le sait tout de suite. Et non, c'était Maya. Tête à béquille. Oh, le piège. Quel arbre fruitier est le premier à fleurir au printemps ? Le cerisier, l'amandier
L'abricotier. Mais je fais ce que je veux. Mais bon, c'est pas grave, allez-y. Ça fait. Ouais. Bon. Je dirais le cerisier question. Parce que. Ok, et je pense que c'est ça. Non, c'était l'amandier. Moi, et je me suis fait avoir aussi vite, sur mais j'ai pas questions. Vu d'amandier alors. Quels champignons ramasse-t-on au mois de mars et d'avril ? Des morilles, des girolles ou des pleurotes ? Des morilles, Mathieu. Allez, pleurotes au hasard. Et non, c'était les momos. Ah, c'était les c'est les morilles, Mathieu. Les morilles, Mathieu, qu'on ramasse au printemps. Que signifie l'expression « l'hirondelle ne fait pas le printemps » ? Entendre mal ou pas bien du tout, n'avoir aucune valeur ou on ne peut pas tirer d'une généralité à partir d'un seul exemple. Oui, le dernier. Oui. Ça, c'est la bonne réponse, je crois. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que l'équinoxe de printemps ? Le moment où le jour et la nuit sont de durée égale, c'est le jour le plus long de l'année. C'est le jour le plus court de l'année. Jour et nuit égale ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a la même chose du coup à l'automne. Ouais. Voilà, au septembre. Alors, qu'est-ce que le printemps de Bourges ? Un festival de la bande dessinée, un festival de théâtre, un festival de musique ? Bourges, théâtre peut-être. Non, c'est la musique. La musique est arrosée une beuverie. Quand débute officiellement le printemps en Australie ? Le 1er septembre, le 20 septembre, le 20 octobre. Donc hémisphère sud. Attends, il y en avait combien en septembre là ? Le 1er septembre, le 20 septembre, le 20 octobre. Bon, 20 septembre, peut-être. Non, c'était le 1er septembre. Ouais, on s'est tous fait avoir, je crois. On s'est fait avoir aussi. Ouais. Ceci. En même temps, ça semblait logique pourtant que ce soit... Tu dis 20 septembre. Bah oui, 20. Bah oui. Et non. Oui, pourquoi ? Selon la mythologie grecque, le retour du printemps coïncide avec le retour de Perséphone, dont la mère Déméter est la déesse de la fertilité, des moissons et des saisons, ou de l'amour. La fertilité. Puis ça va être là. Bah, des moissons et des saisons, la fertilité, on a dit tout à l'heure que c'était la première question. C'était Maya. Non, mais je sais pas, moi. Avec fertilité et. Oui, on l'a bien vu. Et Perséphone, mythologie grecque, Perséphone. Oh, punaise, je l'ai su, mais. Elle a été séquestrée par Hadès. Non, mais déjà, que moi, je retiens pas les noms. Oui, il a fait plein de merde. Bon, comme un. Comme plein d'autres dieux, Zeus aussi a couché avec tout le monde. En même temps, c'est le premier des démons. Voilà. Complétez ce proverbe. Février trop doux, présage un printemps, froid, humide, chaud. Mais là, c'était nul, ça rimait même pas. Oui, non, c'est ça. Je vais attendre une rime. Février trop doux. Oh la vache, c'est plus facile quand on le voit à l'écrit. Hein. Genre, février trop doux, tu pètes un coup, tu vois. C'est quoi, après ? Froid, humide. Présage un printemps froid, humide ou chaud. Humide, au pif. En fait, je vais toutes les faire au pif, comme ça. C'était froid. Ok, comme ça. Je donne pas cher du score de Clem. Hein. Oui. Le printemps est considéré comme la première, la troisième ou la quatrième saison de l'année. Première. C'est la première. Il dit première. Il dit première. Bravo. Voilà, ça va, c'était facile. Tu as donc 3 sur 10, pendant que Chris, Damien et moi, on s'est tapé un pauvre 4. Ah, on a eu le même score. Ah, bah ça va. Mais en vrai, sur la dernière, j'aurais pu avoir 5, c'est pour la première saison, la deuxième. Ouais. Je me suis dit, tu sais, qu'on apprend à l'école, on apprend printemps, été, automne, oui. Hiver. Ah oui, ouais. Donc, je me suis dit, c'est trop simple. T'as été chercher trop loin. Du coup, je me suis dit, peut-être. Dis-toi que printemps, c'est renouveau. Donc, du coup, tu commences. Je me suis dit, ça a commencé par l'été parce qu'il fait chaud, donc j'ai mis quatrième. J'ai vraiment été chercher trop loin le truc. Ah oui. Alors que je l'avais, ben, printemps, été, automne, hiver, quoi. Mais moi, j'étais déçu parce que printemps, c'est ma saison préférée. Oui, moi aussi, ouais. Et t'as que 4 sur 10. Et j'ai que 4 sur 10, voilà. La pire saison, c'est l'été. Pardon, mais pour moi, c'est la pire. Ah, le pire, c'est l'hiver. Moi, longtemps, j'aimais pas l'hiver. Après, je me réconcilie avec le temps avec l'hiver. Oui. Mais c'est chiant quand c'est sur la fin, c'est long. Non, non, l'automne, c'est vraiment horrible. Alors, l'automne, je me réconcilie aussi avec l'automne, là. Ah, parce que c'est vrai que c'est gris, il pleut, c'est chiant.
Mais je me et les jours raccourcissent, mais je me réconcilie parce que ça devient une saison aussi où tu commences à mettre les plaids. L'été, c'est affreux, moi je déteste ça. Ouais, avec les grosses chaleurs maintenant, c'est vrai que c'est chaud. On est d'accord. Bon, bref. Voilà. Y a plus de saison, ma petite dame. Hein. Ouais. Merci Mathieu pour ce test à la con. Avec grand joie. Le fil rouge, on est rendu au cinquième indice. Ping, comme faisait Mathieu. Voilà. Ping. Cinquième indice. Ah. Cet indice. Oui. C'est drôle ça. Ouais, on se marre. On rigole. Bah, c'est des stock photos. C'est des acteurs, non ? C'est des mannequins. C'est des IA. Photos. C'est des IA. J'aurais pu faire ça à une IA, c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est des mannequins, voilà, photos. Voilà, continue de réfléchir. Le sixième indice, ça sera pour tout à l'heure. Pour le moment, qu'est-ce qui se dit dans le chat ? Je vois que ça rigole. Green 3D, Elmulfried, ça m'énerve. Ah, joli. Joli ça. Nous arrivons à la séquence de Clem. J'ai nommé le qui que quoi. Le qui que quoi, Clem, c'est à toi. Un petit qui que quoi, alors nous allons pouvoir construire des phrases. Est-ce que, d'ailleurs, là dans Discord, il y en a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Bah, du coup, est-ce y avait que Thiénou, ça va mieux? Mais Thiénou, il a des problèmes avec son casque. Donc je pense qu'on va jouer tous les trois ce soir. On va rester entre nous. À deux, hein. Ouais. Ah oui, alors. J'en peux plus, là. Trop long, là. J'aurais tellement voulu dormir. Alors, normalement, j'ai ceci. Oula. Oui. Oui, oui, c'est ça. Et alors là, attends, du coup. Je risque ça. Alors, si tu veux, si Clem. Je ça, j'ai tout. Wow. C'est bon. Non, c'est alors, Clem. Oui. Tu peux enlever la roue parce que je t'ai mis un nouveau bouton qui permet de répartir les réponses à tout le monde. Juste les joueurs ? Ouais, et si tu veux, je peux me charger du chronomètre à ta place. Oui, alors attends, le bouton. Tu vois, t'as un bouton blanc en haut à droite où c'est écrit valeur okay, auto. Valeur auto. Voilà, et il faut appuyer deux fois dessus. Ça, c'est logique, ça encore. Oui. Ok. Donc, après, en testant un premier coup. Voilà. Waouh. Ok, hey, ça a marché. Ça marche bien. Voici hein. La répartition. Nous allons donc entre nous construire des phrases à base de quand ça s'est passé. Le sujet, c'est bien sûr qui a fait l'action. On l'a un peu plus bas, on l'a à la fin, là, dans la liste. Voilà. Le lieu, ce sera où ça s'est passé, avec quoi, un objet et pourquoi. Alors, je précise, du coup, on met un chrono maintenant pour cadrer un peu le temps de la réflexion, ouais, on va dire. On part sur un chrono de 30 secondes pour tout le monde, ça le fait. Ok. Allez, c'est parti. Top chrono. Et maintenant, on réfléchit à nos réponses. Alors, moi, j'ai quand et objet. Donc, on va dire ça et ça. Moi, c'est bon, j'ai mes deux réponses. Quand, si tout le monde a toutes les réponses, moi, je peux stopper le chrono. Ouais, non. Pas que c'est plus compliqué pour Damien, du coup. Ah, en attendant, dans le chat, je vais ouvrir le chat. Ok, allez, vas-y. C'est bon, tout le monde a ses réponses. Parfait. Alors, qui commence du coup ? C'est le sujet, c'est alors, Damien. On commence avec, même, on peut dire quand. D'accord, donc premier. Hier. Hier, ok. Voilà, on commence doucement. Le sujet, ensuite. Kate Middleton. Okay. Ah mais c'est d'actualité on a dit hein. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, l'action? Elle a dansé. Ah. Avec quoi? Avec un lampadaire. Dans quel lieu? Mathieu, le lieu. Pardon, dans un marécage. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait se refaire les seins. Ah. C'est pour ça qu'elle avait disparu depuis tout ce temps. Je m'étonne alors. Nous sachons. Évidemment. Ça y est, on a enfin la réponse à pourquoi Kate Middleton avait disparu. C'est beau. Donc si je tente la remise à zéro, voilà, c'est vas-y. Bon. Oh, voulez-vous vraiment? Je confirme. Oui, voilà. Voilà, il faut recliquer deux fois sur le... Nous allons pouvoir avoir une nouvelle attribution. Ah, voilà, non, c'est normal, il y en a... Bon, en bon. Fait, la première fois, il n'y en a qu'un seul qui est affecté, la deuxième fois, c'est affecté à tout le monde. C'est le bug qui... Voilà. Eh ben, je lance le chrono, tout le monde est prêt? Oui, j'ai encore une note. Vous allez pouvoir chercher et... C'est parti. Bah comme ça, ça me permet de rappeler un peu l'ordre aussi pendant ce temps-là. On ouais. commence avec quand ça s'est passé, après on dit le sujet, son action, avec quel objet, le lieu et pourquoi. Ah si, ça y est, j'ai mon sujet
Et j'ai mon objet. C'est bon. C'est bon, moi aussi. Moi aussi. Tout le monde est bon. Bah, allez, je stoppe le chrono. Et voilà. Bah, c'est bon. Le chrono est stoppé. Donc, c'est le camp qui commence. Donc, c'est Damien. Oui. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Okay. Très bien. Sœur Patou. Passer la tondeuse. Ah, l'objet, du coup. Donc, avec son plot. Bah, c'est pareil, oui, forcément. Mais où ça? À l'Elysée. Et pourquoi? Parce qu'elle avait faim. Ah, bah, ah, bah oui, ouais, ça, d'accord. Non, mais du coup, c'est, voilà, logique. C'était son salaire, du coup, pour manger. Pour aller manger après, il fallait bien travailler. Donc, elle. On embrasse Sœur Patou, bien sûr. La concierge de l'Elysée il y a 10 ans. Évidemment. Allez, tour suivant. Je constate quand même que le jeu est nettement plus fluide maintenant, comme ça. Alors, c'est parti. Encore? Ouais, bah ouais, ça y est, c'est déjà relancé, tu vois. Non, mais j'ai encore le camp. Et plus de temps de réflexion. Alors, Clem, rappuie sur le bouton valeur auto parce que Damien, il a encore le camp. C'est pas grave, attends, ça va revenir. Je remets à zéro. T'es pas obligé de remettre à zéro à chaque fois. Ok, on est bon alors. Bon, allez, c'est parti, 30 ouais. secondes. Ouais, mais. Pardon. On a. Alors, un objet. Ouais, ok, et il me faut une action. Ok, c'est bon. Pas moi. Ouais, allez. C'est bon pour toi, Damien ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, je stoppe tout. Tac. Alors, on commence avec le quand ? Demain. Demain. Ah, donc on parle au futur. Waouh. L'histoire, elle va... C'est qui, alors, j'espère demain. Que ça va pas s'avérer prémonitoire, cette histoire. Vladimir Poutine. Oh, merde. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se déhanche. Avec quoi ? Avec quoi? Avec un avec merde le, putain le, avec son manteau du coup. Où ça? Dans sa voiture. Ah. Et pourquoi? Pour annexer le reste de l'Europe. C'est une drôle de façon de. C'est comme ça que ça va, c'est pas trop dangereux. Oui, ça va, ça devrait aller alors. C'est ouais, c'est une drôle de façon quand même d'y parvenir. Mais nouvelle... oui, bon bah si c'est prémonitoire à mon avis, il va pas réussir à grand chose donc ça va. Donc il passe. Voilà. Ok, bah allons-y, tour suivant. On a le temps. Affectation. Ouais. Et réflexion. Top chrono. Ah, j'ai le pourquoi, tiens, j'en ai pas encore fait. Oh, j'ai un objet. Et pas de lieu non plus, j'avais pas encore fait le lieu. Bah tiens, j'ai le lieu et le pourquoi. Ah, c'est bon, j'ai le lieu. Bon, moi, j'ai quand et le sujet, moi. Ouais, ok. C'est bon pour toi, Mathieu, moi, aussi. Moi, j'ai un truc facile, non. Moi. Allez, ok. Et l'action Vas-y, c'est bon. Ok. Eh ben, moi, vas-y. J'enchaîne les deux. Hein. Vas-y, donc quand? Ce matin, oui. Un lapin. Le sujet, c'était le lapin. Ok. Abrouté. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh là, abrouté. Ah oui. Abrouté quoi, du coup? Ah, mais du coup, c'est t'as l'objet aussi, Mathieu. Abrouté une télécommande. D'accord. Oui. Donc, dans le studio des Chacals, ça fait chier pour la télécommande, mais bon. parce qu'il savait où était Xavier Dupont de Ligonnès. Si seulement on savait, allez, lapin, on savait parler, hein. Le lapin, alors. C'est clair. Bien, allez, next one. Je regarde l'heure, on a le temps, ça passe beaucoup plus vite ce jeu-là, mine de rien, maintenant. Il n'y a plus le suspense qui ouais. fait quoi. Allez. Eh ben top chrono, voilà. Encore c'est juste... Ah merde, j'ai pas lancé 60 secondes, j'arrêterai quand ça sera bon. Ah oui, non, c'est, j'ai l'objet. C'est... Ok, j'ai mon action. Et j'ai mon pourquoi, c'est bon, j'ai tout. Ouais, c'est bon. Moi aussi. C'est bon pour tout le monde, allez, je stoppe le chrono. Ok. Okay. Le voyage donc... dans le temps. Damien. L'été prochain. Ah, donc au futur, ok. Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'action... Oh putain, merde, attends, j'avais pris quelle action ? Attends, j'ai mon pourquoi. J'avais pris quoi comme action ? Merde ! Putain, je l'ai paumé. Bon, attends, je vais essayer d'en trouver un autre vite fait. Donc, l'été prochain, Emmanuel Macron... Ah, punaise, téléphonera, tant pis. Okay. Ah, mais moi j'avais un objet, moi. Avec quoi?
Avec, pourquoi pas. Avec quoi? Avec son parasol. Bah évidemment. C'est dommage. Ça marche pas. Dans une salle de boxe. Ok. C'est d'actualité. Oui, c'est vrai. Ah oui, cette photo. Ah, c'est magnifique. Retouché avec ses muscles qu'il a pas là. Et donc, le pourquoi, c'est parce qu'il avait envie de Ken. Ah, bah oui. Ça marche. Évidemment. Allez, on peut s'en faire un petit dernier vite fait. Et voilà. Et je lance le chrono. Alors moi j'ai quoi? J'ai le camp et le sujet. Ah donc bah, comme Damien tout à l'heure avec le ce matin lapin. Damien, alors, pourquoi il y a un objet? Mathieu avec le lieu et l'action. C'est bon, j'ai mon j'ai mes deux trucs moi. Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bon, Mathieu aussi. Tout le monde a ses trucs? Ouais. Allez, go. Il n'y a plus personne dans le chat, là. Ouais, ça, je pense qu'ils sont concentrés sur ce qu'on raconte ou alors ils nous ont tous lâchés. Au choix. Alors, en 1515... Oula. Marignan... Mmh. Voilà, démerdez-vous. Alors. Ah, t'as vraiment enchaîné, toi, les deux aussi? Ah, bah oui. Ah, du coup, Marignan. Moi, j'avais chanté à tue-tête. Ok. D'accord. Avec quoi? Avec quoi? Oui. Avec un réveil matin. Bah, ah oui, mmh. Bien sûr. Et où ça? Dans un cimetière. Oui, et pourquoi? Mais parce pourquoi? Qu'il était fatigué. Ah oui. Ah, bon. Forcément. On se concentre présent. Ah oui, on vous écoute. Ah, mais tout le monde est là, du coup. Finalement. C'est ça, ils sont sages, en fait. On a le chat le plus sage de tout le Twitch game. Vous êtes gentils, les gens. Vous êtes adorables. Vous avez le droit de parler quand même. Hein. Mais bien sûr, hein, vous avez le droit de réagir. Bon, j'avais dit que c'était le dernier. Du coup, on va s'arrêter là pour le qui que quoi. Merci, Clem. Ouais. Tu peux ranger les joueurs, merci. Range-nous. Voilà. Et puis, nous allons passer au dernier indice du fil rouge. C'est calme. Ah, le dernier. Dernier indice du fil rouge, je le montre. Hop, pouf. Oh. 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 Aha. Qu'est-ce donc que cela? Une souris. Une souris, évidemment. Beaucoup de couleurs ce soir. Un chat. Un gros chat, quand même. Voilà, maintenant vous avez... Je pense qu'elle l'a, elle pensait l'avoir déjà avant. Donc. C'est possible. Alors, vous avez tous les indices désormais. Hop, je cache. Et maintenant que j'ai des chronos qui sont prêts à l'emploi, je vais pouvoir lancer le chrono. Alors, Andy, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, même si t'as pas les points, ne réagis pas pendant la minute. Si des fois, il n'y a pas de bonne réponse, tu pourras donner ta réponse et on verra si c'est celle-ci ou pas. Ouais, garde voilà. Pour l'instant ta réponse avec toi. Au pire, on se retrouve dans 15 jours. Laisse les autres personnes répondre pendant une minute. Peut-être que personne ne l'aura. Et tu auras l'occasion de participer après si personne ne l'a avant toi. J'anticipe, je prends la roue avec moi parce qu'on va en avoir besoin juste après. Voilà. Comme d'hab, j'ai pas trouvé. Tac, je mets ça là. Alors peut-être que tu te planteras, mais tu te planteras gratuitement. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de risque. Alors que les autres vont se planter en payant. Alors, les amis, je vais lancer le chrono. À partir du moment où vous voyez le chrono sur votre écran, vous pouvez donner... Ah, il y a un chrono sur l'écran maintenant. Oui. Il y a de la réalisation. Et des chronos. Attention, je lance le chrono et au bout d'une minute, on n'accepte plus de réponse. Non. Voilà, top, c'est parti. Vous pouvez donner vos réponses pendant la minute de temps imparti. Dream 3D dit, comme d'hab, j'ai pas trouvé. Jazz Benji, pas d'idée. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Oh, ça propose. Mel Gibson. Et on prend les réponses. On reviendra bien sûr sur les différents indices. Bien évidemment, on reviendra sur tous les... Bien évidemment. Pour les expliquer. Tous les indices. Pour l'instant, Andy, Manon, garde ça pour toi. Le chapeauté. Ok. La question, c'est si vraiment personne ne donne de bonnes réponses et qu'Andy Manon a la bonne réponse. Est-ce qu'on accorde une petite indulgence, on fait gagner? Oui. Allez, on peut on va dire qu'elle n'a pas la primeur de pouvoir répondre avec tout le monde. Donc, elle ne participe pas. Mais elle n'est pas prioritaire, on va dire. C'est ça. Elle n'est pas prioritaire, faisons ça comme ça. Si elle a la bonne réponse, évidemment qu'elle gagnera le lot. Attention, il vous reste 6 secondes pour répondre. Bon, modulo, le petit temps de latence, il y a 5 secondes en plus. Tu persistes et signes. Ok. Et voilà, alors, c'est fini. J'ai expliqué un green 3D, le Helmut Fritz, par contre. Oui. Alors, bon, là, cette fois-ci, c'est bon, c'est fini. On n'accepte plus de réponse à partir de maintenant. Donc, eh bien, on peut déjà le dire, il n'y a pas eu de bonne réponse. Voilà. Donc, Andy Manon, vas-y. Vas-y, Andy Manon, tu as le droit. Sans payer, sans rien, tu as l'occasion de donner ta réponse à toi. Et c'est vraiment la première fois qu'on accorde cette indulgence. Et vas-y, fais honneur. Hein. Ouais. Attention. Gagne. Oui. Alors, j'attends de voir si ça donne la réponse dans le chat.
Parce que c'était pas Shrek, c'était pas Mel Gibson. Oui, on est tous en train de regarder le chat à fond. Là. Ouais, c'était pas le chaboté. Alors c'est entre deux. Non mais arrête de nous faire douter. Donne, un petit chrono. Donne la personne à qui tu penses. Ah oui, attention, sinon on met un chrono. attention. Hein. Allez, clapote sur ton Au pire, si tu perds, c'est pas grave. Les autres ont tous perdu aussi. Alors. Voilà, donc ça sera pour la prochaine fois. Quoi, pour la prochaine fois. Il y a un suspense, ben oui. Il y a un gros suspense. Par contre, j'ai envie de dormir. On veut rentrer chez nous à un moment. On vit pas tous ici, hein. Andy Manon. Andy Manon. Andy Manon. Non, c'est pas ça. Andy Manon. Ah. Je vois qu'il y a du... Il y a ballotage. Il y a de la réponse dans l'air. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on lui dit que non. Non, parce qu'il y en a plusieurs de données. Il va falloir donner une réponse. Ah, mais Patou, mais t'arrives que maintenant, toi. Oui. Bonsoir, Patou. Andy Manon, Andy Manon, n'importe quoi. Andy Manon, faut que tu choisisses. Oui, Andy Manon, choisir un des deux. Pif, paf, pouf, ça sera toi. Il en faut un. Vous êtes où? Mais on te voit, tes indices. Ah, mais pardon. C'est moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute depuis le début. On n'est pas dans Discord, nous. Oui, j'étais. Je crois que j'ai oublié de monter dans le Discord. Allez, Andy Manon, choisis un. Ah, mais oui. Mais pourquoi Discord? En fait, Discord, il s'était arrêté. Ah, d'accord. D'accord, tout va bien. Donc c'est en fait, je pense. Il s'était arrêté. Peut-être le problème de tout à l'heure. Dolores Ombrage, parce que le verre n'a pas de sens. Elle valide Dolores Ombrage. Eh bien, c'était une mauvaise réponse. Et bonsoir, Discord. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi? Mais le. Alors, bonsoir. Ah, bonsoir, Tieno. Bonsoir, Patou. Ça fait 2 heures qu'il attend. Qu'on le débloque. Bonsoir. Hello. Oh là là, c'était terrible. Comment ça va? J'avais envie ça va, de pleurer. Ça va, et vous? Salut Patou. Non, c'était de notre faute, on avait eu un... Bah, tu peux enlever la roue, Chris, hein, du coup. Hein. Bon, j'enlève la roue parce que oui, personne n'a gagné. Alors, salut Tienou. Attendez, parce que j'arrive, il faut que je... En fait, le live commence finalement maintenant. C'est ça l'idée. Bah, on est parti pour 2 heures de live. Est-ce que... Merde. J'avais des trucs à faire. J'adore. C'est l'intervention, c'est une journée. Merde. une journée. Et j'ai passé une journée de merde. Ah oui, bah t'es pas la seule. Ah bah voilà. Une journée, mais comme je ne les aime pas. D'accord, mais on est là pour redonner le sourire. Bah exactement. Alors justement, bonsoir Clément. Coucou. Mais bonsoir. Non, j'attends. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. J'aime ton boule. Évidemment, c'est obligé. Bon, bonsoir Damien. Bonsoir. Toi aussi, j'aime ton boule. Ah oh, oui. Je mange, j'en sais rien parce que je l'ai jamais vu et franchement. Bah, peut-être pas maintenant qu'on va le montrer. Oh, t'as vu le mien. À boire. Bah, non, en fait, à boire. Ah oui, j'ai fini. En fait, c'est Mathieu qui me l'a dit. Et puis Chris, écoute, par respect pour ta femme que j'aime beaucoup, oui. Je ne dirai rien au sujet de ton boule. Mais t'as le droit de me dire bonsoir quand même, par contre. Ah bon, par merde. En option, ça. Chris, c'est un punaise, je suis désolée. Je fais... Bonsoir, Chris. Bonsoir, Patou. Bon, alors, on arrive quand même au bout du fil rouge. Fallait qu'on explique quand même les indices. Bon, c'est quoi on te dit, hein, Manon, hein? Parce que t'étais pas loin. Ouais, t'étais vraiment pas loin. Alors, la première réponse, vert. Pourquoi vert? On a pas vraiment dit, c'était bien McGonagall au passage. Ah oui, pardon, oui. Alors, c'était... j'affiche la réponse. Voilà, c'était effectivement... Mais parce qu'elle s'habille en vert. Elle s'habille toujours en vert. Mais bien sûr. La photo. Elle est toujours avec son truc vert. Non, mais c'est vrai que le vert, ça pouvait faire douter avec Serpentard aussi. Oui, mais aussi, c'était le but. C'était mais bien sûr. Donc, et d'où voilà. D'où le tigre à la fin. Et enfin, là... au moment du premier Harry Potter, elle avait pas encore 70 ans, elle avait 60 et quelques. Maintenant, faut se dire, du coup, elle en a plus de 80. Ouais. Quelle actrice. Et dans Downton Abbey, c'est une des principales actrices et elle est absolument exceptionnelle. Enfin, moi, je suis fan. Ah, mais c'est une actrice. Cette femme. Incroyable, ouais. Maggie Smith. Je peux dire bonsoir dans le chat parce que j'ai pas dit bonsoir à mes amis. Eh ben, bonsoir le chat, tu peux le dire. Donc oui, on réexplique du coup. La couleur verte, voilà, donc c'est parce qu'elle s'habille tout le temps en vert. Le drapeau écossais. Oui, écossaise. Parce que bon, McGonagall, bon, il y avait peu de place au doute. Le chat.
Le petit chat. Mais est-ce que... C'est une animagu. Voilà, qui se transforme en chat. C'est ça. Qui se transforme... Voilà, et donc... imagine la tête de la vieille McGonagall quand elle nous verra... Comment ils disent déjà, Ron, je sais plus. Mais c'est un truc comme ça. Ça commence comme ça. Ça, c'est son chapeau, avec les deux plumes de faisant. Ah, t'as vraiment trouvé le... Alors, c'en est un peut-être sur Etsy ou... Non, Amazon, voilà. Mais... Oui, il y a des damiers, alors, sur le côté. Ouais, il ressemble beaucoup, en tout cas. C'est vendu comme le chapeau de McGonagall, quoi. Okay. Bon, et attends, excuse-moi, j'ai une question, Chris. Ça fait combien de temps que vous êtes en live là? Va faire bientôt 2 heures. Là, on arrive au bout. Donc là, d'accord. Donc je peux foutre le bazar? Non. Ah bah si. Attends. Oh ouais. J'ai pas dit bonsoir à Diaz Benji, Green 3D, General Lee. Wow. Voilà. Bah, bonsoir au chat, mais effectivement. Cinquième indice, donc là c'était le petit jeu de mots entre guillemets, parce qu'en français ça on appelle ça comment? On appelle ça une Minerve. Une Minerve, et le prénom de McGonagall c'est Minerva. Voilà. Elle m'énerve beaucoup. Ah oui. On aurait pu faire un truc le à base de ça. Le jeu de mots était ça. Aussi honteux, oui, bah extra. Bien sûr. Et dernière réponse, donc c'était l'emblème, le blason de Gryffondor. J'ai essayé d'en trouver un où c'était pas écrit Gryffondor dessus. Ah, parce que sinon c'est écrit. Et donc là, sur Wikimedia. Fallait prendre le logo de Peugeot. J'avoue que là on aurait alors, là on aurait encore plus perdu les gens. Je comprends pas Harry Potter et Peugeot là. Voilà, parce que c'était... dans Harry Potter c'est une Ford. C'était bien Minerva McGonagall. Non, elle est malin dans le chat. Il y a Général qui dit, il faut vraiment que je regarde Harry Potter. Oui. Et Willow qui répond, ça vaut pas le coup, ils vont pas nous mettre Harry Potter dans chaque fil rouge. Et bah tu sais quoi, on sait pas. On sait pas, peut-être. Peut-être. Donc, je rappelle, la prochaine fois, en jeu, il y aura cette tasse-là, ce service à une tasse. Voilà. Sans la soucoupe. Évidemment. Ah, ou alors le la mug grosse tasse, la grosse tasse, ah, voilà. Sans soucoupe non plus, la grosse tasse. C'est ça, les petits bonnets. Non, les petits bonnets, faut que je trouve un autre truc. Ça c'est bon, on est au printemps, les bonnets à tub, on arrête. Oh, les pauvres bonnets à tub. Ou alors sinon pour Clem, du coup, voilà, le oula, collier pour Clem. Pas pour Clem. Clem offre. Virgule. Ah oui. Sinon, je commence à me mélanger dans mes phrases, il commence à se faire tard. Les amis, on arrive au terme de cette émission, disais-je. Mais donc, déjà, merci à tout le chat qui était là. Merci. Désolé pour le Discord, c'est complètement de notre faute. Voilà, il y a de eu le pépin faute. Tout à l'heure. Tu nous mets pas dans l'histoire. Non, c'est complètement de ta faute. Bon, c'est de ma faute, d'accord. Voilà, merci. Non, mais il faut que je trouve un truc pour automatiser ça, peut-être quelque chose. Enfin, voilà, faut que je trouve un truc pour. En gros, il y a Discord dans tout le studio, genre, connecte-toi à Discord. Ouais, non, mais même en plus, avec le bug qu'on a eu tout à l'heure en plein milieu de ton jeu, je pense que oui, ça n'a pas aidé. C'est de ma faute, ça encore. Voilà, donc c'est pour ça que je nous inclus tous dedans. On va se faire un petit raid. Pour Gryffondor. Exactement. On va se faire un petit raid dans un instant. Juste avant, je rappelle, la semaine prochaine, on est en live chill. Oh non. Non, attends, Chris, attends. Quoi? Deux secondes. Quoi? Tu peux pas rallonger de 5 minutes? Oh. Juste pour que j'ai le temps de mettre un peu le bazar. 3 minutes. Allez. 3 minutes. Et 3 minutes. Le temps que les gens proposent des chaînes à raider. Dans le voilà, chat. C'est ça. Et tu voulais dire quoi? Parce que moi j'avais des annonces à faire aussi. Ah oui, il y a un chrono que Clem a lancé. C'est la première minute. Vas-y, t'as 3 minutes, Patou, pour raconter ce que tu veux. Vas-y. Alors, je vous annonce que en fait, il me manque quelques abonnés sur mon TikTok. Ça s'appelle Sœur Patou, pour pouvoir en fait faire des lives et puis concurrencer les chacals le mercredi soir. Pour bah, bien sûr. J'étais prêt à m'abonner, mais finalement non. Je rigole, en fait, non, c'est, mais non, c'est pas le mercredi soir. Est-ce que ta photo de profil, t'es en mode Dune? Le film Dune, là? Oui, okay. Complètement. On va suivre. Green voilà. 3D qui dit, Patou, c'est le gamin qui demande encore 5 minutes une histoire. Je connais ça. Ouais. Parce et que c'est pas pour être en live, c'est 500. Et puis... comment va les meufs? Comment va les meufs? Bah écoute, et non, je l'ai bon, vu je l'autre follow. Jour, je vous jure que c'est vrai. Tu l'as revu? Il était dans le champ. Oui. Oui, bah c'est normal. Il était dans le champ, mais par contre, il habite là. Hein. Je t'explique. Il n'était pas du tout de voyage ni en visite hein, chez un copain. Il habite ici, le meuf, depuis longtemps d'ailleurs. Et donc, tu l'as revu? Bah oui. Il est dans mon quartier. C'est son voisin. C'est mon voisin. J'avais de la peine parce qu'en fait. Moi, j'aime bien quand il est dehors, parce qu'il vient me dire bonjour et tout. Et ben là, en fait, il était toujours. Au bout de son champ. Non, il était au bout de son champ. Et puis, il regardait avec son long cou, au loin. Ouais.
et je me disais, est-ce que vous pensez qu'il rêve à l'Afrique? Ah ouais, par loin. Hein. Oh. Moi, je l'ai perdu là. Non, mais c'est ah surtout oui, qu'il a jamais vu l'Afrique, je pense. Ses souvenirs, ouais. De son vécu. J'étais ému. Bon, t'es ému. Ah oui, elle était très émue. Non, mais le pire, c'est que j'ai vraiment vu au bout du champ, par contre, c'est vrai. C'est une grande histoire d'amour entre l'émeu et Patou. Hein. Ouais. C'est, ouais, ouais. Bah, c'est quand le mariage? Bah, écoutez, on va publier les bancs et puis dès qu'on a une place à la salle des fêtes, on vous passe un coup de fil. Hein, okay. La salle des fêtes de là où t'habites, j'imagine, elle doit pas être très grande. Voilà. Il n'a pas. J'imagine toute la famille des meufs qui débarque. Oh la vache. Oh, le terrain de boule. Le problème, ouais, c'est en fait, c'est pour trouver une alliance. C'est des humains à côté d'église, c'est que des émeus. C'est ça. Des émeus bien habillés, tu sais, avec la cravate, le pape et tout. Voilà, évidemment, le émeu avec le chapeau, la robe. Faudrait qu'on fasse ça avec une IA. Ah, avec une IA, ouais, ça se tente. Ah oui. Avec une photo avec tout le monde et puis moi. Photo de mariage de Sœur Patou et d'un émeu avec toute leur famille derrière. Tu sais quoi, j'essaierai tout à l'heure. J'essaierai tout à l'heure. Ah bah. Allez, Patou, il te reste 12 secondes pour foutre le bazar. 10 secondes. Alors, bon, ouais. 9. Bite au cul. Quoi? Oh. Ah, j'étais pas prêt là. Merci pour ça. Sur la petite tuque. Allez, c'est fini. C'est fini, Patou, c'est fini. Oh, ben, je me suis lâché. Ah, bah, voilà. Bon, les amis, c'est bon. Alors, on va raider pour info. On va raider Fab Nicholson parce que j'avais encore jamais vu ce nom. Donc, bah, du coup, vous allez pouvoir lui souhaiter le bonsoir de notre part. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, donc la semaine prochaine, c'est un live chill. Oui. Et il y a un truc que j'avais. On en avait déjà parlé entre nous il y a un moment. Et je me suis dit, il faudrait qu'on se fasse ça, un de ces quatre. Est-ce qu'on se ferait pas une petite FAQ la semaine prochaine? Genre là, c'est les gens, ils nous posent des questions à nous. Ok. Moi, je dis, on pourrait faire ça. Et moi, ils peuvent me poser des questions aussi. On verra. Quand tu feras tes lives sur TikTok, ils pourront te poser des questions. C'est ça qu'on fera des lives TikTok. C'est vilain. Mais j'ai bien envie qu'on s'organise ça pour mercredi prochain, un petit live. Le dernier live des Chacal, non, c'est pas le dernier. Ah oui, avec ton avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est dit. C'est ça. On va peut-être pas garder le replay trop longtemps sur Twitch. Ouais, on verra. Vous irez le voir sur YouTube. Vous irez le voir sur YouTube. Bon les gens, on va raider Fab Nicholson, on va vous souhaiter une belle soirée. Merci à vous d'avoir été avec nous, merci Clem, merci Mathieu, merci Damien, merci le chat. Merci Thienou, merci Patou. Et Green 3D, oui tu as raison, j'ai toujours la réponse à toutes les questions que l'on se pose. Voilà, des bisous les gens, bisous, bonne soirée à vous. À vite. On voit que Chris. Et oui, on voit que moi, attendez, hop, voilà, c'est bon. Bonne soirée, des bisous les gens, et à très vite.